Bonsoir à vous tous. Merci de nous recevoir, monsieur Jean-Thier. Merci pour nos invités. Bonsoir. Comment allez-vous? Ça discute en direct. Bienvenue, merci. Accueil chaleureux pour nos invités, c'est bien parce que ce soir, c'est une émission un peu particulière. Posez-vous la question, comment réagiriez-vous si votre fille de 20 ans, si votre fils de 30 ans vous annonçait qu'il est homosexuel? Certains parents culpabilisent en se demandant ce qu'ils ont raté pour avoir un enfant qui n'est pas dans la norme majoritaire. D'autres acceptent tout de go, par amour, même s'ils ressentent au fond d'eux une certaine peine, peine de ne pas avoir de petits-enfants, peine surtout pour lui ou pour elle, tant il est une idée répandue que le bonheur est difficile à trouver pour les homosexuels. D'autres parents refusent, rejettent, par ignorance, parce qu'ils ne comprennent pas et parce que souvent, trop souvent encore, ils ne s'imaginent pas affronter en pleine lumière le regard des autres, tous les autres, la famille bien sûr, les amis, les collègues, les voisins. Pour toutes ces raisons, celui ou celle qui s'apprête à faire la révélation à son tout premier cercle, à ses parents, à ses enfants pour certains, comme on va le voir ce soir, celui-ci ou celle-là vit dans la peur, la vraie peur, la peur que tout change et que plus rien ne soit jamais comme avant. Le jour où j'ai annoncé mon homosexualité à ma famille, c'est le thème de ce soir, un sas discute en direct pour se parler en toute franchise. Merci encore pour nos invités. Comment ça va, jeune homme? On parle beaucoup de vous depuis le début de cette émission, enfin, même dans, juste un peu avant l'émission. Comment ça va, Romain? Ça va, ça va. Vous avez 21 ans. Voilà. Vous habitez dans un petit village, hein, 300 habitants. Le Bouchot, précisément, dans l'Allier. Et dans cet environnement, vous ne connaissez personne qui est homosexuel? Non. Vous n'avez jamais vu un autre garçon, une autre fille? Non. Qui est homosexuel? Vous êtes parti ensuite travailler à Lyon. Vous avez vécu vos premières aventures. Voilà. Homosexuelles. Sans le dire à qui que ce soit d'autre. Surtout pas à vos parents. Ou pas, non. Et vous êtes revenu au Bouchot, 300 habitants, dans l'Allier, où vous ne connaissiez toujours personne qui était homosexuel, avec cette fois-ci l'impossibilité, je crois, pour vous de continuer plus loin dans ce mensonge. Voilà, en fait, c'est vraiment le départ à Lyon et le retour chez mes parents. Je me suis dit, c'est pas possible, quoi. Je peux pas continuer à vivre dans le secret. C'est une part de votre identité qui est importante. Exactement. Ce serait une manière de tromper les autres, de ne pas dire vraiment voilà. qui vous êtes. Vous avez fait ce qu'on appelle un coming out. On n'a toujours pas trouvé de mot en français pour dire voilà, je me révèle. Maman, je vais te dire ce soir que je suis homosexuel, en l'occurrence. Vous l'avez fait. Beaucoup de répétitions avant ce grand moment. Hein. Beaucoup, beaucoup. Hein. Un extrait du reportage qu'on va découvrir. Bon, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir, mais j'aime les hommes. Non, j'aime les hommes, ça va faire trop aussi. Ils vont penser direct à la relation sexuelle, c'est pas bon ça. Bon, mais je suis différent, quoi, différent sans être différent, puisque je suis homosexuel. Voilà, je suis homosexuel, naturellement, comme ça, ça m'évite de... On va pas dramatiser la chose. Puisqu'il n'y a pas de drame là-dedans, je suis homosexuel. Voilà. Attendez, ce ne sont que les répétitions. Vous le savez peut-être si vous êtes homosexuel que parfois on n'arrive pas à le dire à ses parents, on n'arrive pas à le dire à 15 ans, on n'arrive pas à le dire à 20 ans, on n'arrive pas à le dire parfois à 50 ans, et parfois on ne le dit jamais à ses parents. 20% des homosexuels sont mariés, hommes comme femmes. Et les femmes en parlent encore moins que les hommes, et je suis content qu'on puisse en recevoir ce soir sur ce plateau. Romain, on va voir ce reportage en entier. Vous ne saviez pas exactement, pas du tout, comment vos parents allaient réagir. Pas du tout, du tout, du tout. On essaye d'imaginer des réactions, mais... on ne peut pas savoir, puisque au final, en fait... Il y avait des mots que vous ne vouliez pas prononcer. Voilà. Et des choses que vous vouliez dire, en revanche. Qu'est-ce que vous ne vouliez pas dire, d'abord? Je ne voulais pas, en fait, avoir des termes qui pourraient tout de suite leur faire penser à ma sexualité, à la sexualité homosexuelle, avant... Par exemple, même ne serait-ce que j'aime les hommes. Oui. Ou je suis attiré. Voilà, je suis attiré par les hommes, ou des choses comme ça. C'est vrai que j'ai voulu, en fait, leur annoncer, mais vraiment dévier la sexualité directe. Alors... vous avez répondu à un appel à témoins d'une de nos émissions pour venir ici, sur le plateau de Ça se discute. Vous vous êtes dit quoi? C'est l'occasion? En fait, je me suis dit, bon, je vais tenter. Même à ce moment-là, j'étais pas vraiment sûr de vouloir le faire. Donc vous avez appelé une de nos équipes. Voilà.
On a discuté ensemble. Finalement, une équipe vous a accompagné à Bouchot, dans l'Allier, à la rencontre de vos parents. Alors, on a raconté toute une histoire avec votre complicité, avec votre avis, avec c'est presque votre idée. Une histoire pour justifier la présence des caméras dans votre famille. Et là, vous l'avez annoncé à table. Voilà. Qu'est-ce qu'il y a? Ça vous rappelle des souvenirs? Oui. Parce que je veux... Laetitia? Parce que c'est ma sœur. Laetitia est une jeune femme. On a tous... Qui tient la main de son ami, hein, donc ça, c'est un indice, déjà, oui. Vous avez été mariée avant ça, vous avez... Pas mariée, mais vous avez deux enfants. Qui ont quel âge? 8 ans et 3 ans et demi. On en parlera dans quelques instants. Le jour où j'ai révélé l'homosexualité à ma famille, tous ceux qui sont là s'en souviennent. Certains vont nous rejoindre. Ils n'ont pas réussi à l'annoncer. Dans un instant, on va voir ce reportage. Coming out en direct. Quelle est la profession de vos parents? Mon beau-père est routier et ma mère est sans emploi. Beau-père, ça veut dire le monsieur qui vous élève. Voilà, en fait, tout à fait. Oui. Et que vous aimez beaucoup. Exactement. Les deux étaient à table. Laetitia a fait... On va voir ça dans un court instant. Il y a ceux qui l'ont fait et ceux qui ne l'ont pas encore fait. Alice ne l'a pas encore fait. Elle est tout juste majeure. C'est une fille à 18 ans. Elle ne sait pas comment l'annoncer. Elle s'attend en fait aux pires conséquences, les conséquences les plus radicales. Elle se prépare déjà à devoir partir de chez elle. Je ne sais pas si ses parents regardent la télévision ce soir. Mais en tout cas, je vous demande d'accueillir Alice. Allez, Alice. Alice, détends-toi, on s'est vu en coulisses. Bien au milieu, au milieu, au centre, au milieu. Comment ça va, Alice? Rien que d'être ici. Bien. Je précise que ce ne sont pas vos cheveux. Non. Et qu'Alice, ce n'est pas votre vrai prénom. Depuis quand vous savez que vous êtes homosexuelle, mademoiselle de 18 ans? Depuis quand vous savez que vous êtes hétérosexuelle? La première fois que j'ai désiré une fille, sans doute. Ouais, c'est vrai, j'ai l'impression que ça a toujours été une évidence. Et vous? On choisit pas, on l'est. Vous avez toujours senti que c'était une évidence? Pour moi, oui. Vous avez toujours été attirée par les filles, même... Si, si. Oui, oui. Oui. Aussi loin qu'ils vous en souviennent, en tout cas. Oui. La différence entre un homosexuel et un hétérosexuel, c'est qu'il y a un courant qui est plus majoritaire, qui est plus normal, entre guillemets, et l'autre qui l'est moins, pour une raison de majorité et de minorité. Et dans l'idée de certains... C'est par rapport à la société. Par rapport à la société, le regard des autres, la culpabilité, cette atroce chose que nous combattons, semaine après semaine et jour après jour. Qu'est-ce que vous craignez dans la réaction de vos parents? Dans la réaction de mes parents? Les insultes, parce que parfois ça fait plus mal que les coups physiques. Qu'est-ce qui vous fait penser ça? Parce que ma mère m'a déjà insultée la première fois que j'ai essayé de lui dire. La première fois? Oui, parce qu'en fait, il y a à peu près un an, ma mère a trouvé par hasard une lettre de ma petite copine. Et elle m'a alors posé la question, donc si j'étais homosexuelle. Je lui ai répondu oui. Et elle l'a très mal pris, elle a commencé à m'insulter pendant un moment. Elle le sait alors ou elle ne le sait pas, votre maman? Elle se le cache. Vous êtes revenue sur... Oui, je suis revenue sur ce que j'avais dit. Parce qu'à un moment, elle a appelé donc, les parents de ma petite copine. Ça s'est mal passé. Ils étaient au courant, eux? Oui, ils étaient au courant. Non. Des parents tolérants? Oui. Ouverts d'esprit? Vous êtes revenu en arrière, c'est-à-dire vous êtes revenu voir votre maman en disant « Je rigolais, en fait, je suis hétéro ». Non, c'est elle qui m'a dit « Maintenant, tu comprends que c'est pas normal. Est-ce que tu es d'accord avec moi ?» Et à ce moment-là, j'ai pas trouvé mieux de répondre oui. Ça veut dire que depuis ce temps-là, votre maman pense que vous êtes hétérosexuel. Vous nous avez dit en préparant l'émission que régulièrement, elle vous interrogeait sur... 18 ans, vous avez 18 ans? Oui. Sur alors, les petits copains? Voilà. Ou alors, encore mieux, elle essaie de m'en trouver un. Bien. Comment ça va? Et le petit Sylvain, il n'est pas tellement mignon, etc., etc., etc. Vous donnez le change pour l'instant, mais je crois que là, la coupe est pleine. Certains attendent toute une vie. Certains sont malheureux toute une vie. Je crois que vous avez envie d'en sortir le plus vite possible. Je vous ai demandé si votre maman, on s'est vu en coulisses, regardait l'émission ce soir, on m'a dit non, elle se couche à 9h30. Alors est-ce qu'on dit pourvu qu'elle n'ait pas d'insomnie ou est-ce qu'on dit pourvu qu'elle ait des insomnies? Mais de toute façon, qu'elle le sache ou pas, ça ne changera pas grand-chose. Il faudra bien qu'un jour, elle s'ouvre les yeux. Ben, si elle s'ouvre les yeux, elle le saura. Vous avez envie qu'elle le sache? Je ne sais pas ce que je préfère, si elle qu'elle le sache par quelqu'un d'autre ou qu'elle le sache par moi. Je pense que c'est toujours mieux quand c'est une annonce directe. Mais l'annonce directe, ça n'avait pas fonctionné. C'était pas vraiment une annonce directe, elle a trouvé un courrier, hein. Vous aviez laissé traîner une lettre? Non. Elle a été la fouiller, la chercher? Oui, elle fouillait souvent dans ma chambre. Oui. En tout cas, elle avait des doutes? Non. Elle fouillait pour fouiller? Voilà. Bah, comme toutes les mères, je crois, non? J'espère que non, parce que moi, je n'ai jamais pris en flagrant délit, la mienne. Mais enfin, vous savez, je vous parle d'un temps. Hein.
Alice, vous nous parlerez de votre cheminement tout au long de cette émission. Je rappelle que votre mère, votre père également, ne savent pas, enfin pensent, espèrent, et pensent, je crois, que vous êtes hétérosexuel, contrairement à votre frère et à votre sœur, qui, eux, savent que vous êtes homo. Est-ce qu'ils nous regardent ce soir, eux ? Ma petite sœur, oui. Mon grand frère, je ne sais pas. Elle s'appelle comment ? Mélanie. Mélanie, tu dois vivre des bons moments. Des grands moments, plutôt. vous êtes dans une impasse. Vous souhaitez trouver une issue. J'espère que les témoignages de ce soir vous aideront à trouver le moyen de le dire, puisque maman est couchée. N'hésitez pas, en tout cas, à poser des questions à tous mes invités qui sont en face de vous. Certains ont déjà fait leur coming out, comme Romain. C'était il y a une dizaine de jours. Dans les caméras, ça se discute. On va voir ça dans un court instant. Romain ne savait pas comment faire. Il l'a fait à table, lui. Beaucoup le font dans la voiture, en fait. C'est-à-dire que pendant qu'on est au volant, on se dit, bon, là, c'est pas face à face. Ça passera mieux. Là, vous avez vraiment le courage de le faire au moment... J'ai préféré éviter l'accident, en fait. Au petit déjeuner, en plus. Hein. Bonjour, ça va? Oui, et toi? Alors, voici ce que j'ai à te dire, etc., etc. Mais pour d'autres invités que vous allez découvrir un peu plus tard dans notre émission, parce qu'on plaisante, mais on ne plaisante pas tant que ça. D'autres invités qui sont encore en coulisses pour l'instant, c'est aussi un grand soir pour eux. Pour Dan, par exemple, que vous apercevez. Imaginez, mesdames, que Dan est votre mari, vous l'aimez, vous l'épousez. 20 ans de vie commune avec ce monsieur. 3 enfants dans votre couple, il y a toujours de la tendresse. Il reste même, je crois, Dan, une certaine vie sexuelle, une intimité sexuelle avec votre épouse. Votre époux, en l'occurrence Dan, madame, on est toujours dans ce jeu de rôle, ne vous a jamais trompé avec une autre, jamais. Il nous l'a dit, il l'a juré. Mais en fait, si, beaucoup, mais dans ses pensées, vous étiez un homme. Il imaginait des hommes. Mettez-vous à la place de la femme et des enfants de Dan. C'est une autre forme de coming out en famille que nous entendrons dans cette émission. Ce sont soit les enfants qui l'annoncent à leurs parents et parfois les parents qui l'annoncent à leurs enfants. Parfois 20 ans plus tard, ça peut être facile pour l'épouse ou pour l'époux qui se repasse le film à l'envers. Pas facile pour les enfants non plus. Nous sommes en direct et ce soir, tout peut arriver. Julie, pour vous, tout est arrivé. Vous aviez quel âge quand vous avez fait la grande découverte ? 9 ans. 9 ans, moins de 10 ans. Ouais. Vos parents étaient divorcés ? Oui, 2 ans auparavant à peu près. Qu'est-ce que vous avez découvert ? J'ai découvert par hasard des revues pornographiques sous le lit de mon père, en pensant chercher un journal pour me distraire tout simplement. Sous-amis. Voilà. Donc, pornographique explicite ? Oui. Plus qu'explicite, assez brute, hein, assez sale, on va dire. Avec assez, si j'ai bien compris, peu de femmes dans cette revue. Tout à fait, que des hommes, et donc des images très crues. Voilà, donc... Comment vous avez réagi à ça ? Parce que en fait, c'est un choc d'abord pour une petite fille de 9 ans, et puis ensuite c'est une information que vous n'aviez pas. Non, tout à fait. J'ai tout de suite compris, je pense, sur le coup... que c'était certainement la raison pour laquelle mes parents avaient divorcé. Par contre, sur le coup, je me suis dit, c'est pas possible, c'est pas vrai. En fait, au même moment, j'ai découvert en fait, l'homosexualité avant même de savoir ce que c'était l'hétérosexualité, puisque à 9 ans, je crois que je savais tout juste comment se faisaient les bébés, à mon avis. Donc voilà, ça, c'était un choc important que de découvrir l'homosexualité avant l'hétérosexualité. En deux mots, on en parlera plus en détail. Vous en avez parlé extrêmement tard à vos parents, aussi bien à votre mère qu'à votre père. Vous avez vécu dans le secret. Oui. En grandissant, en devenant ado, en commençant à rencontrer des petits amis, vous vous êtes demandé quelle était votre identité sexuelle. Si votre père est homosexuel et que vous n'en aviez pas parlé, pourquoi vous ne seriez pas lesbienne? Vous vous êtes posé la question. Je dis ça pour mesurer les conséquences que cela peut avoir pour un enfant qui grandit. Pourquoi le silence est grand quand c'est de la poésie et comment il peut être nocif quand il s'agit de sexualité, de choses simples? Je crois qu'il sait toujours mieux de parler, non, Julie? Alors, je vous propose de regarder ce premier reportage avec Romain. Il y a une dizaine de jours, Alice. Voilà. Romain a donc annoncé à ses parents ce qui s'est passé. Évidemment, pour garder la spontanéité de votre coming out, vos parents ne devaient rien savoir, puisqu'il y avait une équipe de reportage qui débarquait de notre reportage. Alors, comment vous avez justifié la présence de nos caméras? Qu'est-ce que vous leur avez dit? En fait, j'ai un blog sur Internet. Donc on leur a dit que c'était dans le cadre du blog, j'ai été interrogé pour ça. Pourquoi pas? Vous avez fait le grand saut en présence d'un ami, personne ne savait encore qu'il s'agissait de votre ami ou petit ami. Reportage donc dans votre famille, au Bouchot, dans l'Allier, de Charlotte Attrie et de Thierry Andréot. Le Bouchot, un petit village auvergnat, seulement 200 habitants. C'est ici que Romain, 21 ans, vit avec sa famille.
Par peur du « qu'en dira-t-on » et du regard des autres, Romain vit son homosexualité dans le secret depuis des années de mal-être. Je l'ai vécu très mal, dans le sens où c'est isolé et bon, l'homosexualité, on peut se tourner, on peut regarder partout. Moi, j'en ai pas vu. On se dit qu'on est le seul à vivre ça, on n'est pas normal, il y a quelque chose qui va pas chez nous. Moi, j'étais parti dans l'idée à l'origine de le dire à personne, de le garder pour moi, même quitte à fonder une famille plus tard pour cacher tout ça. Et ben aujourd'hui, voilà, j'en ai marre de me cacher tout le temps, de paraître quelqu'un que en fait je suis pas du tout. Donc c'est pour ça d'ailleurs que j'ai décidé de l'avouer à ma famille. Romain sait qu'il préfère les hommes depuis l'âge de 14 ans. Faire son coming out auprès de ses parents est pour lui très difficile. Depuis quelques semaines, il répète devant sa glace. Objectif, trouver les bonnes formules pour ne pas choquer. Bon, je vais vous dire quelque chose qui va peut-être pas vous faire plaisir. Mais j'aime les hommes. Non, j'aime les hommes, ça va faire trop aussi. Ils vont penser direct à la relation sexuelle, c'est pas bon ça. Bon, mais je suis différent, quoi, différent sans être différent, puisque je suis homosexuel. Voilà, je suis homosexuel, naturellement, comme ça, ça m'évite de... On va pas dramatiser la chose, puisqu'il n'y a pas de drame là-dedans. Je suis homosexuel. Voilà. Je veux vraiment qu'ils, quand je leur annonce en fait, qu'ils pensent plus à la relation sentimentale. Bon, ça va être assez difficile, mais je veux trouver les bons mots le jour où ça arrivera. Après, je sais pas comment ils vont réagir. Ça peut être les deux bien, les deux mal. Je me prépare à l'éventualité aussi que bah, je devrais partir de la maison, hein, c'est possible. J'ai vraiment la boule au ventre, quoi. J'ai le nœud de stress en fait. Et par rapport à leur réaction, c'est bête, puisque c'est juste une phrase à prononcer. Après, je suis tranquille, je suis libéré. Mais pour une phrase, comme quoi, juste des mots, ça peut changer toute une vie. Avant de franchir le cap, Romain va chercher conseil et réconfort auprès de Stéphanie, une amie à qui il a pu se confier pour la première fois il y a 6 mois. L'une des rares à connaître son secret. Alors, quoi de neuf ? Écoute, voilà quoi, l'annonce dans peu de temps à mes parents, demain. Ouais, tu stresses pas trop ? Si. Si. Romain stresse, car même sa meilleure amie a été surprise d'apprendre la nouvelle. Ça m'a fait bizarre. Voilà. Moi, ça m'a fait bizarre, parce que j'aurais jamais pensé qu'un ami proche me dise un jour « je suis homosexuel ». De m'imaginer avec... Parce que je t'ai vu avec des filles avant, c'est pour ça. À chaque fois que j'en parle à une personne, on me détache un poids petit à petit, et c'est vrai qu'on se sent tout de suite soulagé, on se sent mieux. Moi, dès que je leur ai annoncé, après j'avais le sourire, j'ai vu comment elle l'avait pris. Ça m'a que encouragé en fait à le dire encore à d'autres personnes. Motivé, Romain ne veut plus reculer, mais il préfère procéder par étapes. La première, l'annoncer à sa petite sœur. Et pour ça, il décide de lui présenter son petit ami, venu spécialement pour l'occasion. Étant donné que je suis avec quelqu'un en ce moment, il faut qu'elle connaisse toute ma vie, quoi. Et c'est vraiment l'occasion pour... C'est peut-être un peu trop en une seule fois pour elle. On verra ça tout à l'heure, mais... Qui vivra, verra, hein. C'est un joker. Mmh. Ça a été ? Ouais. C'est un peu long, quand même. Ah ouais ? Tranquille. J'ai plus trop de retard. Mais c'est vrai. Non ? Ah. Bon, t'es pas trop stressé ? Si. Ok. Par rapport à... À ta sœur ? À ma sœur, le fait que... Que tu l'annonces pour toi. Mais pour moi, d'accord. Mais vu que même personne de ma famille est au courant pour moi... Ça te stresse ? Je pense à me stresser de l'annoncer à ta sœur. Et ça va pas te donner envie, quoi, je sais pas, mais si pour moi ça se passe bien, après je le sais pas ça, mais ça va pas te donner envie de toi essayer de faire la démarche même juste auprès de ta sœur ou... Faut déjà que j'envoie la réaction et après, ouais, je réfléchirai. Romain propose une soirée entre amis, comme ils en ont l'habitude, pour que sa sœur Astrid ne se doute de rien. Elle ne connaît pas le vrai sujet du reportage dont son frère fait l'objet. Donc le style, Christophe, un pote de Lyon. À table, Astrid est la seule à ne pas être au courant de la situation de son frère et pense que son petit ami n'est qu'un simple copain. Voilà, on avait pas demandé, Christophe, qu'est-ce que tu fais dans la vie.
Je suis intérim pour l'instant. Intérim? Ouais. Dans quoi? Mais dans tout et n'importe quoi. Tu prends tout ce que tu trouves? Voilà, exactement. Peu à peu, le malaise s'installe. La tension monte. Astrid, comment te dire? Christophe n'est pas un pote. C'est mon copain. Eh ben voilà, je suis homosexuel. Eh ben, ça fait. Toi, c'est t'en fous quoi? Non, je m'en fous pas, mais c'est. Je sais pas, t'en veux peut-être qu'en fait, au fond, je m'y attendais, je sais pas. Soit elle réalise pas encore. Si, je réalise, mais en fait c'est bizarre, parce qu'il y avait deux, trois trucs qui ça m'y faisait penser. Des paroles, des attitudes, des gestes, des non, choses mais, que t'as vues. Non, mais que quand tu parles, que je voyais sur la scène que tu parlais qu'avec des gars, qu'à Lyon t'étais qu'avec des gars, que t'étais toujours fort avec le et tout, bah ça me faisait. Ça m'a fait un peu tilt, mais. Après, c'est ton choix, moi je m'en fous. Ça me fait bizarre. En fait, j'ai stressé pour rien du tout. Bah, avec moi, Romain, j'ai appris à te connaître comme ça. Voilà. Donc, au pire, ça changera rien. Ça, c'est une sœur. Je vais te faire un petit bisou. Très soulagé par la réaction de sa sœur, Romain se relâche et la soirée se termine dans les rires. Pour lui, cette première annonce est un succès. Il n'a qu'un seul espoir, que ses parents accueillent la nouvelle aussi bien. Le lendemain matin, 9h, les parents de Romain savent que leur fils arrivera à la maison suivi par des caméras. Mais eux non plus ne connaissent pas le sujet du reportage. Ça va mon cœur? Salut. Ça va mon grand? Alors, bien passé hier soir? Oui, bien. Il profite du petit déjeuner du dimanche, en famille, pour annoncer son homosexualité à ses parents. Ah, si vous sortez ce soir... On va encore dormir demain. En fait, donc hier, j'ai annoncé un truc à la string, à la street au bowling. C'est-à-dire? Tu vas te marier? Non, malheureusement non, puisque je ne me marierai jamais. Et pourquoi non? Bah, parce que je suis homo. Qu'est-ce que tu veux qu'on te la fasse? Ouais, et puis. Bon, bref. Pour nous, ça ne change rien. Hein, nous, ça ne change rien du tout. C'est pas bien grave. C'est ta vie. Si t'es bien comme ça, voilà. On va pas te pendre dans la grange. Bah, oui. Parce que t'es homo. Bah oui. Toujours notre fille. Ah, mais bon, je veux dire, voilà. Mais il y a longtemps que j'y ai vu. Nous sommes. Par rapport à quoi? Aux attitudes ou... Ouais, à ta démarche. Plein de choses. Mais puis avec tes copines, t'as des super canons comme copines. Et jamais t'es sorti avec. Alors moi j'aurais eu des copines comme ça. Ça aurait été la fiesta. Juste pour ça. Mais. Et s'il y a des personnes par rapport à toi qui vont. Qui t'agressent ou quoi que ce soit, tu m'en parles. Qui vont nous éviter ou. Et non. Puis je te dis, moi je t'ai protégé depuis que t'es né. Mmh. C'est pas maintenant que je vais te laisser tomber. Hein. Au contraire. Hein. Mmh. Je comprends pas pourquoi tu nous l'as pas dit avant. Parce que voilà, avec tout ce que les gens disent et tout, tu te fais en fait une montagne peut-être pour rien, mais... Mais les gens... Je me suis préparé aux pires réactions, au fait qu'il faudrait que je parte de la maison. Parce que tu nous annonces ça, on te dit, allez, tu fais ta valise et tu t'en vas. Non, non, mais attends, Romain. La folie. Voilà. Oui. Non, non, moi, je sais que... Voilà, c'est pas des parents, voilà. Mais moi, c'est pas... Puis moi, j'étais content de voir une autre belle fille, ben... Voir un mec. Vous avez vu? Et pas. Ton frère, il le sait? Non. Ah, ton frère, il parle ton frère. Un jour, il m'a quand même dit que. Il me dit heureusement que t'es pas homo parce que sinon j'aurais plus de frère. Donc. Le plus dur pour Romain reste donc encore à faire. Tout s'est bien passé avec sa sœur et ses parents, mais il appréhende la réaction de son grand frère. Oui, c'est moi. Ouais. Ça va? Ouais, et toi? Ouais.
il faut que je te dise quelque chose. Quoi? J'ai déjà dit à l'Astrid, aux parents tout à l'heure, donc maintenant c'est à toi. Quoi? Je suis homosexuel. Non, de quoi? Ouais, franchement, ouais. Bon, donc voilà quoi. Ouais, je veux bien. Allez. Le frère reste sans voix. Il préfère lui passer sa femme. Allô? Oui, ça va? Et toi? Oui. Il est choqué là. Ouais, mais ça va être passé, t'inquiète pas. Je pense pas qu'il t'en veut parce qu'il t'aime. T'aime trop pour. Tu vois? Ouais. Je lui laisse le temps de digérer. Ouais. Et puis. Je m'appelle dans un petit moment, puis. Voilà, et puis même. Ou même si lui il veut me rappeler ou s'il veut m'envoyer un message, qu'il n'hésite pas, quoi. À tout à l'heure, bisous. Le travail est fait, je suis soulagé. Et là maintenant, voilà, c'est un peu une nouvelle vie qui commence. Plus paisible, plus sereine. Au moins, les gens vont voir qui je suis vraiment et je pense que je vais être vraiment plus tranquille par rapport à ça. Ça se discute en direct ce soir. Vous pensez pas que vos parents pourraient réagir de la même façon? Non. Vous avez été surpris? Moi? Oui. Énormément. Non, mais, la réaction, elle est incroyable de vos parents. C'est oui, bon, et alors, qu'est-ce que tu veux? Tu vois la deuxième croissance? C'est moi qui. Je suis tombé de haut, puisque. On se fait toute une montagne de choses par rapport à des coming out d'autres personnes que j'avais entendues avant, et au final... Mais il y avait eu des phrases dans votre famille, hein, quand même. Il y avait eu des phrases prononcées. Voilà, et je pense qu'on en prononce, pas tous, mais beaucoup d'entre nous, des phrases un peu stupides, et on se rend pas compte de la... Par exemple. Ne serait-ce que celle de mon frère, hein. Tu serais homo, je n'aurais plus de frère, ou des... Non, celle-là, elle est directe, elle fait mal, celle-là. Non, mais après, c'est des... Il nous regarde, ce soir, votre frère? Oui, il nous regarde, oui. Vous avez son numéro de téléphone? Pas sur moi, mais je l'ai, oui. On en parlera pendant, tout à l'heure, si vous voulez qu'on l'appelle pendant l'émission. Je ne sais pas s'il le souhaite, lui, peut-être qu'on verra. Il est parti se coucher, là. Non, reste avec nous, jeune homme. Mais si vous voulez dire un mot, parce que c'est vrai que toute votre famille a bien réagi. Votre sœur, alors là, incroyable. La tolérance. Une jeune femme incroyable. Mignonne avec ça. Vos parents? Ça a été... J'ai annoncé donc vendredi et samedi la nouvelle, donc samedi à mes parents. Matin. Matin. Pourquoi, oui. Le matin? La journée était, c'était fait le matin. Après j'étais tranquille. C'est vraiment pour me débarrasser, quoi. Jérôme, ça vous rappelle les souvenirs? Oui. Ça va, Janine? Je vous sens pas très bien. Oui, ça va. Si, oula. Si, ça va. Si. Vous avez vécu cette scène, vous? Oui. Il y a combien de temps? Il y a 2 ans. Bonsoir, madame. Bonsoir. Soyez la bienvenue. Vous avez vu la réaction de cette maman? Oui. Elle a réagi de la même façon, votre maman? Pas directement, mais presque. Oui, j'étais au téléphone, moi, c'est pour ça. Ah, ça change tout? Voilà. Ah, pourquoi? Ben, il me l'a dit au téléphone. Oui, et qu'est-ce que ça change? Ben rien du tout. Moi, je lui ai dit que ça changeait pas, mais... Je parlais du téléphone, moi. Vous... Oui. Okay, comment il vous l'a annoncé, exactement, lui? Bien, c'est-à-dire, il m'a dit, je t'ai fait une lettre, et quand tu la liras, tu m'appelleras. Il, c'est ce jeune homme qui est à votre gauche et qui est votre fils. Et je lui ai dit non, j'ai dit, tu me le dis tout de suite. Vous doutiez de ce dont il avait parlé? Non. Par rapport au quiz de Romain? Non. Non, mais je lui ai dit, est-ce que tu es malade? Il m'a dit non. Est-ce que dans ton travail ça va pas? Il m'a dit non. Bon, Deux questions. Oui. Vous êtes à côté toujours là. Oui. Et je lui ai dit, tu es comme ton oncle? Et il m'a dit oui. Mais j'ai dit, pour moi ça change pas. Vous vous en doutiez? Non. Les jours qui ont suivi, franchement, ça n'a pas été pareil, quoi. Non. Ça n'a pas été la même limonade. Hein. Pendant une quinzaine de jours... J'ai pleuré. J'ai été me réfugier chez son frère.
Et puis, il m'a beaucoup parlé. Et... Qu'est-ce son... son frère vous a beaucoup parlé ou votre... Oui, son frère m'a beaucoup parlé, m'a beaucoup aidé. Parce que je me demandais ce que j'avais fait de mal. Ah, voilà. Pour qu'il soit comme madame, ça. Mais c'est tellement fréquent, ce genre de, voilà. de remarques. J'aurais préféré qu'il ait telle maladie, ou comment j'ai pu lui transmettre un truc pareil, ou qu'est-ce que j'ai fait dans son éducation. Voilà, oui. Ça, je pense que... Enfin, je sais pas comment on peut... Ça doit faire bizarre d'entendre ça. Je crois que... Tous ceux qui sont homosexuels ont l'habitude de dire... Pour ceux qui ne savent pas encore, ce n'est pas une maladie ou... Alors, on sait pas très bien quelle est la part de l'inné ou la part de l'acquis. Il y a débat là-dessus, c'est pas un débat qu'on va avoir ce soir. Mais en tout cas, on sait quand même qu'il y a une bonne part d'inné, hein. Ah oui, non, mais tout à fait, oui. Ouais. Aussi loin que certains s'en souviennent. Elle m'a posé la question, elle dit « Culot, cette jeune femme, elle a raison. Est-ce que j'ai toujours su que j'étais hétérosexuel ?» Elle a toujours su qu'elle était homosexuelle. Vous pensez que c'est de votre faute, entre guillemets ? Plus maintenant. Vous l'avez pensé à un moment ? Oui. Oui. Nous recevons un chroniqueur qui est un habitué de ces discussions ce soir et qui lui aussi a fait son coming out. Il vient de publier un livre. On parlera de ce livre dans un instant, mais je vous demande d'accueillir Alex Taylor qui est avec nous. Vous êtes homosexuel, Alex? Oui, absolument. Pourquoi vous riez? Je vous ai même dit à 15 ans sur Europe 1 que j'étais homosexuel. Vous m'avez demandé pourquoi j'étais en France. Quand vous aviez 15 ans? Sur Europe 1, oui. Vous étiez en train de faire quelque chose sur la platine. Et parce que je suis homosexuel et que c'est beaucoup mieux ici que dans mon pays. Et vous étiez un peu transi de panique. Et puis, voilà. Je m'en souviens. C'est un moment que... peut-être j'étais en train de jouer avec les disques. Je ne sais pas. Vous faisiez quelque chose d'autre. Je faisais DJ. Coup, vous étiez un peu transi de... Bizarre, parce que je présentais plutôt les infos, mais c'est d'accord. D'accord. J'ai été surpris, sans doute, par la question que je vous avais posée. Quelle était la question que je vous avais posée? Pourquoi est-ce que vous êtes venu en France? Ah oui, c'est ça. Voilà. D'accord. Oui, effectivement, il y a de quoi être surpris, quand même. Je ne sais pas. Non, mais c'est la vraie raison. Moi, j'écoute ces histoires. Moi, j'ai grandi en Cornouailles dans les années 60 en Grande-Bretagne, où il n'était pas... Moi, je savais dès l'âge de 7 ans que 7 ans. Je préférais les garçons. Ça me semblait une évidence, mais je pouvais le dire à personne. Mais ce n'est pas la faute de mes parents, c'est la faute d'un système. Comment vous leur avez dit à vos parents? Je l'ai dit beaucoup plus tard. Moi, j'ai attendu 18 ans avant de dire à la première personne, et même pas mes parents. Donc je l'ai su bien avant eux. Appelez-moi papa. Oui. Comment vous leur avez dit? Pour l'instant, on a eu à table ou au téléphone? Je suis sorti de la Cornouaille, je suis allé faire mes études ailleurs parce que je pensais y retrouver d'autres homosexuels. Je suis revenu de mes études et j'ai dit à ma maman, « Maman, je suis gay ». Elle m'a dit tout de suite, « Ok, mais ne le dis pas à ton père ». Ce qui m'a rassuré beaucoup, parce que je n'avais pas très envie. Et en fait, pas très envie de le dire à votre père? Non, j'avais peur de sa réaction. Mais c'est une autre société, c'est-à-dire c'est une société où... Non, mais c'est pas à ce point-là, quand même. Ah si, non, mais... on a quelques exemples. Attends, ici ça se passe pas aussi facilement que ça, Alex, en France, ou pas penser des choses pareilles? Non, mais justement, c'est ce que je vous dis. La découverte de l'homosexualité, la première cause de suicide, ouais, en France, même aujourd'hui, en 2008. Et moi, je vous parle aussi d'une époque où c'était pas évident. Moi, je savais à l'âge de 7 ans, par exemple, que j'aimais les garçons, mais je ne savais pas du tout ce que c'était qu'un homosexuel. Moi, seulement à 13 ans, j'ai entendu le mot. Mais que vous aimiez les garçons, parce que moi, j'aimais bien mes copains. La différence, c'est que vous désiriez les garçons, que vous aviez une attirance particulière. Comme vous, exactement, comme a dit Alice, comme vous saviez que vous désiriez les... Que les filles me mettaient dans un petit état un peu à part, différent des garçons. Et j'aimais bien jouer au football. Vous imaginez... Alors, on est souvent surpris de celui que ça surprend. Je ne sais pas comment votre père a réagi. Mon père a bien réagi quand il a rencontré mon copain. Il a fallu qu'il rencontre, parce qu'on n'en a jamais parlé. Il est venu, il m'a vu avec un autre homme, et il a vu qu'en fait, tout son monde s'est écoulé en ce qui concerne ses stéréotypes. Et il a vu que ça ne collait pas avec l'image qu'il avait devant lui de deux hommes qui étaient heureux ensemble. Et après, c'était très émouvant. Il a rencontré mon copain, et deux semaines après, je suis retourné à la maison, et pour la première fois, j'ai vu qu'il avait mis une photo de moi et de mon copain sur le feu de cheminée. Non. On n'en a pas parlé, mais j'ai compris qu'il a accepté mon homosexualité. C'était un geste assez émouvant. Mais je crois que ce système... Moi, je trouve que c'est un geste fantastique. Oui. Ça remplace toutes les paroles. Complètement. J'en ai un peu les larmes aux yeux maintenant, parce que quand j'y pense... Parce que mon père n'est pas quelqu'un qui parle de ça facilement. On parle de quelqu'un qui a 87 ans. Non, mais ça remplace tous les mots. Un geste comme ça. Je vous interrogerai sur votre livre, et notamment le titre, d'ici quelques instants, parce qu'il pose question. Mais là, on est sur les mamans. Votre maman, vous avez l'impression qu'elle l'a accepté? C'est une autre génération encore, hein. C'est une génération de la Deuxième Guerre mondiale.
Mais elle l'a accepté plus facilement que mon père, oui. Oui, je crois que Alors qu'elle avait peur de la réaction de votre père. Hein, Elle avait peut-être raison à l'époque, oui. Non, mais c'est elle qui l'a moins... J'ai demandé à mon père, par exemple, je me souviens très bien. J'ai entendu le mot « homosexuel » pour la première fois à la BBC quand j'avais 12 ans. Moi qui savais très bien que les garçons me faisaient ce petit effet que vous avez décrit. Et j'ai entendu le mot « homosexuel ». J'ai demandé à mon père « what is a homosexual ?» Il m'a dit « c'est quelqu'un qui a le poignet mou, qui s'appelle Cécile et qui aime les matelots ». Et moi, j'ai pensé « ouf !» Heureusement que j'en fais pas partie de ceux-là. Donc, c'est vous dire... Je vais sortir les... On était à l'antenne quand on en parlait, Europe 1, ça a été enregistré, ça, parce que... On était à l'antenne, oui, je vous Ah oui, d'accord, je vais sortir les bandes. Madame, comment réagit votre... papa ? Oui, son papa, oui. On en parlera dans un instant. Parlons des mamans pour l'instant. Vous, pendant 15 jours, qu'est-ce que vous vous êtes dit ? Qu'est-ce que j'ai pu faire pour qu'il lui arrive un truc pareil ? Oui. Qu'est-ce que vous avez imaginé ? Et que je l'avais mal élevé, que je ne sais pas, que j'avais raté quelque chose, je ne sais pas. Que vous aviez raté, ouais. 15 jours. Oui. Comment s'appelle votre maman, Romain ? Nadine. Je vous demande d'accueillir Nadine. Bonsoir, madame. Alors, vous avez entendu Nadine ? Mettez-vous à côté de cette jeune fille, mettez-vous à côté de cette jeune fille. Faisons groupe, restons groupés. Vous imaginez... Oui. Elle est courageuse, hein ? Oui, très. Peut-être une pensée pour ses parents, même ? Je pense que... Enfin, je sais pas, il faudrait peut-être qu'ils soient un petit peu plus tolérants. Parce que ce qu'elle vit, c'est pas possible. Vous nous en voulez ? C'est pas des parents. Oui, par rapport à la réaction que sa maman a eue à l'âge de 16 ans. Ensuite, Alice est revenue sur ce qu'elle a dit. Elle a dit « Non, maman, en fait, je suis hétéro ». Et depuis, sa maman lui cherche un petit copain et lui demande si elle en a pas. Je crois que. Ça n'a jamais été pareil. Depuis ce temps-là, ça n'a jamais été pareil. On s'entend beaucoup moins bien. Ouais. On se dispute souvent. Ouais, vous avez vraiment toutes les raisons objectives de penser que ça va mal se passer. Néanmoins, souvent, ne pas savoir, c'est bien pire que de savoir. Parce que là, je ne sais pas où je vais, du coup. Je ne sais pas du tout où je vais. Je ne sais pas comment elle va réagir. Je préférerais en finir, en fait. Que ce soit fait. Mais d'un côté comme de l'autre, je veux dire, on ne peut jamais présager de ce que ça va être. Et je crois que l'attente, c'est le moment qui est le plus compliqué. Vous lui direz un jour dans les yeux, je pense que vous aurez une conversation. Elle l'acceptera pas. Peut-être que ça prendra 15 jours ou plus que ça. Mais là, donc... ça fait peut-être quand même 2 ans. Hein. Ça fait quand même deux ans. Oui, mais elle vous cherche. Pour l'instant, c'est pas sûr encore. Elle n'est pas certaine. La preuve, elle vous met des petits copains dans les pattes. Madame, vous avez entendu cette maman nous dire que sur le coup, elle l'a plutôt bien pris. C'est ça, hein ? Oui, oui, tout à fait. Sur le coup, vous avez dit j'ai dit, écoute, pour moi, ça change pas, quoi. Et puis, elle a pleuré pendant 15 jours. C'était il y a combien de reportages ? 10 jours. 10 jours. 10 jours. Vous avez pleuré pendant 10 jours ? Non, pas du tout. Parce que pour nous, ça a été une chose. Nous annoncer ça, on a tout de suite accepté, et parce qu'on l'aime, quoi. Donc, voilà. Ce n'est pas une annonce tout à fait anodine. Oui. Ce n'est pas comme dire « j'ai trouvé un boulot dans ceci » ou « je vais me marier » ou « je pars à l'étranger », etc. C'est quelque chose qui surprend, auquel les parents ne sont généralement pas préparés. Oui. Ça pose question. Quelle question vous êtes-vous posée ? Vous en êtes forcément posée. Disons, c'est vrai que quand il nous a annoncé, on a été un petit peu surpris, mais voilà. Des questions vous vous êtes repassé le film ? Oui, mais bon, que c'est peut-être de votre faute et tout, non, moi je ne me suis pas du tout posé la question. C'est de ma faute, qu'est-ce que j'ai fait, je n'ai pas fait. Non, voilà, il est comme ça. On l'a élevé comme les autres et... On ne devient pas homosexuel, on est homosexuel. Voilà, je pense. Est. On est homosexuel. Notre... C'est attention parce qu'il y a un double sens. C'est pas notre On est ou on est On est... Oui. Comme mais ça tu... Voilà, exactement. Voilà. Mais non, c'est pas notre faute. Et pourtant, j'aime mon fils, hein. Je l'ai pas... Il est homosexuel et pourtant vous l'aimez, ça vous le dites Non, c'est pas ça que vous nous disiez. Non, je l'aime tel qu'il est... Vous l'aimez, parce que quand on aime tout. Tout à fait, oui. Sans condition, c'est l'amour inconditionnel, le seul vrai amour. Il faut l'aimer pour ce qu'il est. Il n'y a pas de souci. Homosexuel là, et pas faire de... À quoi on pense ? Aux petits-enfants qu'on n'aura pas aussi ? Oui, moi franchement, j'ai pensé à ça. C'est la seule chose qui me fait un petit peu mal au cœur. Ça existe, l'homoparentalité. Hein. Tout à fait, on ne sait jamais. Moi, c'est la seule chose qui va me faire mal au cœur, mais bon. Vous avez vu la réaction de votre fille, que vous avez découverte parce que vous n'étiez pas là.
Vous avez vu ensuite la vôtre et celle de votre conjoint. Oui. Qui est rigolo plutôt, je trouve. Hein. Non, mais il est sympa. Je me disais, hein, des filles que tu avais autour de toi quand même, moi à ta place, etc. etc. Où est-ce qu'il, il est routier, hein? Aussi, oui. Je ne sais pas s'il nous suit sur son téléphone portable. Non. Il roule. Il roule parce qu'il travaille beaucoup. Peut-être qu'il se repose là à ce moment. Oui. Ouais, il se repose. Ouais. Non, c'est votre frère qui n'arrive pas à digérer la pilule. Non, son frère. Oui. Je raconte. Mais maintenant, ça y est, la pilule est bien digérée. Assis avec son frère. Il a été choqué sur le coup. Sur le moment. Parce que sur le dans le reportage, il. Ah, il était sonné. Oui. Je suis allé chez lui hier. Mmh. Hier après-midi. Il est là ce soir. Non, il est pas là. Non, je voudrais son numéro de téléphone. On ne peut pas l'appeler. Bon. C'est exactement le même. On me dit qu'on ne peut pas l'appeler. D'accord, très bien. Écoutez, super. Qu'est-ce qu'il vous a dit exactement? On n'a pas parlé, puisqu'on évite d'aborder le sujet, mais j'ai eu des échos par rapport... il a discuté avec mes cousins, avec mes tantes, et il m'aime comme je suis, quoi. Après, je ne vais pas aller m'afficher avec mon copain devant lui ou quoi que ce soit. Mais j'ai vraiment ce qu'on appelle une famille, des personnes qui sont là pour vous entourer. Un bisou à sa maman, parce que quand même, franchement, mais Romain, et tous les films que vous avez fait, non? Parce que, il faut le dire aussi, Nadine, les blagues sur les homos... Oui, ah. On avoue, oui. Allez-y. Mais c'est vrai qu'à la limite... Par exemple, quel genre de blague, Nadine? Non. Si, Nadine. Non. À moitié pardonné. Je ne pourrais pas. Par exemple, non. Romain. Non, mais les petites blagounettes... Attends, Nadine, ouais. Mais c'est vrai que même... Sans penser à mal, non mais... Non, mais même son papa, alors, après... j'ai demandé à Virginie et Jean-Baptiste, qui ont préparé cette émission, de me dire les blagues que vous avez dites. C'est juste les répéter devant tout le monde. Non, c'est pas possible. Truc pour les mouches, là, comment vous appelez ça? Tapette à mouche. Non, mais même son papa... Ça vous vexait, Romain, quand vous entendiez parler de tapette? Ça me mettait mal à l'aise, mais ça m'a jamais vexé. Mal à l'aise parce que vous vous disiez, oulala, parce que, on voilà, part de loin. D'un côté, ça me concernait, mais je veux dire, après, me vexer, non, puisque je sais très bien que c'était pas intentionnel. Je veux dire, les blagues n'étaient pas ciblées non plus. D'autres encore, Virginie, Jean-Baptiste, en régie. Petite folle. Mm-hmm. Non, mais rien de... Voilà. Mais c'est vrai qu'après, on se sent un petit peu gêné d'avoir dit des petites choses comme ça, mais je pense que tout le monde en est là. Mais c'est pas méchant. Franchement, oui, beaucoup, c'est pas... Nous, c'était pas du tout méchant, et son papa s'est excusé après, il était un petit peu gêné d'avoir dit toutes ces petites blagues, mais Romain lui a dit, non, tu ne changes pas, quoi. Néanmoins, vous avez vu que Romain était vraiment très inquiet avant de vous en parler. Oui, peut-être que ça a participé à ça aussi. Non, mais je dis ça pour tous ceux qui nous regardent. Faire attention. Vous pensez à toutes les mamans qui se posent la question. Est-ce que vous aviez un doute? Moi, personnellement, non. Non, personnellement, non. C'est sûr qu'il était un petit peu... il mettait un petit peu plus de temps que les autres pour se préparer et tout. Mais je veux dire, combien de garçons font ça, hein, maintenant? Bon, on est deux, Romain. Alors, attendez, regardez cet extrait, comment... Regardez, allez. En fait, donc hier, j'ai annoncé un truc à la string, à la street au bowling. C'est-à-dire? Tu vas te marier? Non, malheureusement non, puisque je ne me marierai jamais. On peut pas dire que c'est anodin, c'est une information quand même. Tu vas te marier? Incroyable quand même la façon dont ça se passe ensuite. Après, ça a été vraiment l'après-midi même. Donc, mon copain était en fait, on va dire entre guillemets, caché dans l'appartement de ma sœur. Ils l'ont su, donc il fallait que je le rapporte tout de suite. Comment ils l'ont su? J'ai dit à ma mère, en fait, puisque l'appartement de ma sœur est à 30 minutes de chez mes parents. Donc, je leur ai dit qu'il fallait que je parte la semaine chez ma sœur. Elle m'a demandé pourquoi. Je lui ai dit que mon copain se trouvait là-bas. Et donc, l'après-midi même, ils voulaient absolument que je leur présente. Comme disait Alex, là, ça devient concret tout d'un coup. Puis on voit que c'est une histoire d'amour, comme toutes les histoires d'amour. Ça fait combien de temps que vous êtes avec votre petite amie? 3 mois. Ses parents le savent? Non. Ses parents ne le savaient pas avant de le voir en reportage? Non, ils ne le savent pas, non. Ils se couchent tôt? Ils se couchent assez tard, mais...
il ne pourra pas répondre. Double coming out, ce reportage, donc. Madame, monsieur, si vous nous regardez, vous pouvez rester avec nous ou vous pouvez zapper. Vous faites comme vous voulez. Je pense que ce serait bien quand même que votre ami les appelle après l'émission, juste pour... Je pense que c'est ses parents qui l'appelleront si jamais. Ouais, bon, après, c'est la question de qui est le premier. Est-ce que ce sont les parents qui réagissent le plus mal? La maman, le papa, est-ce que toutes les surprises sont bonnes? Est-ce que parfois, quand on s'attend à ce que ça se passe bien, ça se passe mal? Est-ce que parfois, ce sont les frères ou les sœurs? On a vu que c'était le frère de Romain. Et Laetitia, en préparant cette émission, franchement, j'étais surpris de voir que votre sœur, dont vous êtes très proche, avec qui vous avez partagé beaucoup de choses, vous avez une enfance, une jeunesse compliquée. Je crois que vous avez été assez soudées toutes les deux. Votre sœur qui a des enfants, combien? 5. Elle a quel âge? 25. Ouais, elle a pas traîné. Ouais. Vous avez quel âge vous-même, Laetitia? J'ai 29 ans et j'en ai que deux. Et deux enfants quand même. Qu'est-ce qu'il y a? Non, je disais qu'il avait de la chance de l'avoir. Beaucoup de chance. Oh, c'est sympa, ça, d'avoir une maman comme ça. Ouais, c'est vrai que... Madame, Ok, elle est sympa. Non, ça va. Votre maman l'a plutôt bien accepté. Disons que vous avez... Attendez, on va raconter tout ça, on va voir un reportage. Disons que vous avez été en couple, vous avez une vie de famille, vous avez été avec quelqu'un. Et au bout d'un moment, vous lui avez dit que finalement, vous étiez attiré par les femmes. On racontera tout ça en détail tout à l'heure. Comment lui l'a réagi? Comment votre maman réagit? Est-ce que vous avez été surprise de voir que c'était votre sœur qui réagissait le plus difficilement? Oui, parce que je pensais que ma sœur allait bien réagir. Ah et bon? En fait, ça a été tout le contraire. Qu'est-ce qui vous faisait penser ça? Avec la complicité ou le fait que je l'aimais bien. Elle a toujours su que je l'aimais bien. Votre petite sœur, donc. Ouais. Et je ne m'attendais pas du tout aux critiques méchantes que j'ai pu entendre et à sa réaction. Comment vous lui avez annoncé? Chez elle, elle était enceinte, donc il fallait y aller doucement. Et puis... Comment a-t-elle réagi? Je lui ai dit que je n'allais plus avoir de conjoint, mais que ce serait une conjointe. Voilà. C'était vous? Oui. Déjà? Oui. 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 Elle s'appelle comment, votre sœur? Angélique. Angélique, s'il vous plaît. Et votre sœur a été surprise. Oui. Quand on va voir le reportage, vous êtes une boule d'émotion, vous. Hein, ouais. Qu'est-ce qui vous dérange le plus, au fond, dans l'homosexualité de votre sœur? C'est le fait que ce soit ma sœur. Ah bon? Ouais. C'est-à-dire que les autres homosexuelles femmes ne vous dérangent pas? Dans la rue, non, ça ne me dérange pas, parce que c'est leur vie, quoi. Ça ne me touche pas, parce que là, j'ai honte de la présenter. Honte? Parce que c'est ma sœur. À cause du regard des autres? Ouais. Ou parce que vous-même, vous avez du mal à accepter? J'ai du mal à l'accepter, ouais. Vous vous souvenez du moment où vous l'avez appris? Vous avez... Oui, j'étais enceinte. Oui. Mais vous étiez surprise? Oui, très. Vous étiez assise? Non, j'étais debout. Ouais. Vous avez dû vous asseoir tellement que vous étiez sur le cul, j'allais dire. Oui. Ça vous fait rigoler, vous, ouais. Perverse. C'était une surprise. Ce n'était pas une bonne surprise. C'était pas une bonne surprise. C'était une surprise totale. Vous n'aviez aucun doute. Bah en fait, quand elle est arrivée et qu'elle m'a dit qu'elle voulait me dire quelque chose, je pensais que j'allais être tata. Parce qu'en fait, son désir, c'était qu'on soit enceinte presque en même temps. Donc pour moi, c'était qu'elle m'annonçait une grossesse, quoi. Puis au lieu de ça, non, elle m'annonce qu'elle aime une fille. Alors là. Vous avez beaucoup réagi sur la sexualité. Julie nous parlait tout à l'heure de la découverte qu'elle a faite. Je ne sais pas si vous avez entendu, vous étiez en coulisses, ouais, à l'âge de 9 ans, découverte sous le lit de votre papa. Il ne faut pas aller voir sous le lit, ça, vous faites ce que vous voulez. Une revue que avec des hommes et assez explicite, et vous ne connaissiez pas grand-chose de la sexualité, donc j'imagine le choc. Vous avez tout de suite imaginé sexualité aussi? Oui. Quoi? Vraiment, je le dis. Quelle heure est-il, s'il vous plaît? On est en direct. Quelle heure? Vous avez l'heure, madame? Quelle heure est-il? Non, j'ai pas l'heure. Si, vous avez l'heure. C'est une montre que vous avez là. Oui, mais elle est arrêtée. Elle est arrêtée.
23h30, vous pouvez y aller. Non, sérieusement, hein? Sérieusement. Quand elle m'a dit ça, ben... Je l'ai imaginé la tête le... là où il faut pas, quoi. Dépend des points de vue, hein. C'est-à-dire que tout de suite, vous avez imaginé une image... Oui, de... ça. Parce que je vois pas ce qu'on peut faire d'autre avec une femme, à part prendre des objets, quoi. Mais tout de suite, c'est... Oui, enfin, ça fait oui, rire, parce que quand on est gêné, on rigole. Hein. Ben oui, mais bon... moi, la sexualité féminine, comment je la vois? Ben, un petit peu comme tout le monde, quoi. Je veux dire, des filles, elles ont rien, quoi. Je veux dire, elles peuvent se faire elles du plaisir. Elles ont rien, les filles? Non, mais elles peuvent se faire du plaisir, mais avec des accessoires, avec leurs mains, avec leur bouche, mais c'est tout, quoi. Je veux dire... Un bah, c'est déjà pas mal, si je peux me permettre. Mais un homme n'est pas conçu pareil. Donc forcément, quand on imagine une fille avec une fille, bah, on va le voir plus avec mais la bouche. Au moment de l'annonce, vous avez imaginé tout ça? Non, pas tout ça, non, juste la tête, là. C'est... Ça fait mal, hein. C'est l'horreur, mais... Qu'est-ce qui fait mal? C'est le fait de ramener l'homosexualité... À au sexe, et puis à la vulgarité. Voilà, les homosexuels, je suis désolée, on n'est pas vulgaire, on est normal, comme tout le monde. On sait se tenir. Oui, je c'est pense ça, que c'est on est, ce que vous voulez dire. On est pareil que, c'est de que des hétéros, tout simplement. Voilà, on n'est pas sale. Non, mais ce que je veux dire, c'est que par rapport à ton annonce, j'ai tellement été quand même sous le choc que c'est vrai que c'est une image que je me suis faite par rapport à ce que tu venais de m'annoncer. Et c'est vrai que c'est la seule chose qui m'est passée par la tête. Voilà, c'est pas autre chose, c'est pas un bisou, c'est pas se tenir par la main, c'est ça. On va voir un reportage. Vous avez du mal à contenir votre émotion. Dans ce reportage, vous ne voulez pas que votre sœur voie vos enfants. Vous ne voulez pas qu'elle le dise. Non, c'est que je ne veux pas que mes enfants voient ma sœur en compagnie. C'est vous que... Le problème. C'est moi le problème. Comment allez-vous, madame problème? Ça va très bien. Pourquoi? Vous nous direz tout à l'heure, vous nous direz tout à l'heure, on verra ce reportage. Je me tourne vers Julie. Julie, votre père a caché pendant des années son homosexualité, un secret donc que vous avez démasqué par vous-même, personne ne vous en avait parlé, vous n'aviez pas 10 ans, avec cette revue pornographique que vous avez trouvée sous son lit. Vos parents étaient séparés, divorcés à l'époque, donc vous étiez une fois chez l'un, une fois chez l'autre. Oui. Voilà. Sur le moment, qu'est-ce que vous avez compris? En voyant les images ou... Ben oui, en voyant les images d'hommes en train de faire l'amour, sans imaginer plus de détails, à moins que quelqu'un... Non, ben, je sais que... Ben donc j'ai tout de suite eu cette image de saleté, de dégoût, de honte. Je me suis aussi tout de suite... Enfin, le fait d'avoir trouvé ces journaux sous son lit, enfin, donc je me suis dit... Donc bon, caché. Ben, c'est caché, voilà. Sur le coup, je m'en suis voulu. Je me suis dit, zut, j'ai découvert un truc qu'il fallait, a priori, je pense pas que je découvre. Je pense que c'est aussi une des raisons pour lesquelles je n'en ai pas parlé. Parce que j'avais, la honte, pense que je, la honte... La culpabilité... Si on ne vous le dit pas, c'est qu'il y a, de la... Pardon, je ne vais pas parler pour vous. Je pense que... Oui, bon, si, la honte. Je pense que, sur le coup, j'ai eu peur aussi de me faire gronder. Enfin, qu'on me dise, enfin, qu'est-ce que tu es allé faire sous ce lit Voilà. Le silence est sans doute ce qu'il y a de pire. Enfin, ne rien dire, laisser trop de place à l'imaginaire, surtout quand on sait encore peu de choses. Rien, c'est, ouais, rien. C'est quelque chose de terrible. Pensons aux enfants, pensons évidemment aux conjoints aussi. Hein. Laetitia, au vôtre, vous nous raconterez comment c'est passé. Mmh. Parce que lui aussi, quand il se repasse le film à l'envers, ça doit lui faire tout bizarre, un peu comme la femme de Dan. Je vous demande de l'accueillir, Dan. Bonsoir, Dan. Alors Dan, vous m'arrêtez si je me trompe, un premier mariage qui a duré 12 ans. Oui. Vous saviez que vous étiez homosexuel? Oui. Et vous êtes remarié quand même avec une femme. Oui. Pourquoi vous êtes remarié avec une femme? Parce que le contexte faisait l'époque, faisait que nous n'avions pas le choix de toute façon pour la société nous poussait à nous marier, nous n'avons pas d'autre choix. C'est-à-dire que vous ne sentiez pas d'assumer publiquement non, nullement, non, non. Une homosexualité, donc vous êtes remarié avec une femme. Je suis dans la rue pensée qu'il y a à peine 17 ans, oui Jean-Luc, qu'il y a à peine 17 ans que l'OMS a retiré l'homosexualité des maladies mentales. Donc à l'époque, j'étais malade. Je ne parvenais pas à comprendre. À l'époque, en 70. En 70, dire, comme en France. En Belgique, hein, oui, parce qu'autant dire en francophonie, quoi, pas très loin de chez nous. Hein. Ben, l'OMS, l'Organisation Mondiale de la Santé. Donc entendu.
Mais quand même, il y avait eu 68 qui étaient passés un peu partout en Europe. Il y avait quand même des mœurs qui s'étaient libérées, non? Oui, mais... Quand vous êtes remarié avec cette femme, vous vous êtes dit « ça va marcher » ou « je vais jouer la comédie toute ma vie » J'avais complètement occulté. J'avais réussi à complètement occulter le fait que j'étais homosexuel. C'est moi, je me disais un mariage, on peut comprendre, on se trompe, on se dit « ça va changer », etc. Mais un deuxième, 12 ans le premier, 8 ans le deuxième, 3 enfants. Oui. 3 enfants. Vous avez entendu Julie et son témoignage. Et pourtant, depuis toujours, Dan se sent homosexuel. Je ne sais pas si vous avez eu l'occasion d'en parler avec votre père depuis. Oui. À quel âge j'en ai parlé avec votre père? Vraiment, 25 ans. À 25 ans? Oui. Par non-dit, 17 ans. D'accord. Vous en avez parlé clairement avec vos enfants? Oui. Ils avaient quel âge? Pour le plus grand et pour le plus petit? Céline avait 10 ans. Où êtes-vous, Céline? 10 ans. Qu'est-ce que vous avez envie de dire à Julie, d'abord, Dan? Julie... Que dire à Julie? Chacun est différent, bien entendu, mais la façon dont elle l'a découvert, ça n'a sûrement pas été évident, ça, c'est un fait. Durant des années, je me suis caché, moi. C'était pourquoi? Pour le regard que l'on portait de l'extérieur sur mes enfants. C'était par rapport à eux que je n'en parlais pas, uniquement. Vous n'avez pas peur qu'ils l'apprennent, qu'ils vous surprennent? Ils n'auraient pas su me surprendre. Pourquoi? Tout le temps que j'étais marié, j'ai été fidèle, je n'ai jamais... Pas de revue? Non, 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 jamais, jamais. Pas Internet encore à l'époque, mais pas de revue, pas de téléphone. Non, je vous dis, j'avais réussi à complètement occulter. Pas de relation sexuelle avec des hommes pendant les 20 ans où vous avez été marié, Dan? Non. J'ai du mal à y croire, mais... Eh oui, mais c'est comme ça. C'est à vous le traitez de menteur? Non, non, mais j'ai... je ne me permettrai pas, mais j'ai... Elle a du mal à vous croire? Moi, oui, je vous crois. Oui, parce que... Pourquoi? Bon, ben, il n'y avait pas d'autre moyen. Il y avait le fantasme qui était là, même si j'avais des relations hétérosexuelles. Mais c'est-à-dire que vous imaginez un homme en couchant avec, avec vos deux femmes? Ça m'est arrivé. C'est l'une après l'autre, hein, je veux dire. Oui, parce que là, ce sera encore pire. Non, non... C'est plus compliqué, disons, en tout cas. Oui. C'est-à-dire que vous imaginez un homme quand vous étiez avec une femme? Oui, tout en étant que j'aimais... Je dirais que la maman de Céline, j'ai vraiment une relation très, très amoureuse avec elle. Et j'ai cru que... Ouais, à ce moment-là, c'est occulté. Comment on peut imaginer un homme quand on a un corps de femme dans les bras? Ben, votre avis. Non, je sais, je... Non. Oui, effectivement, il a beau être 11h30 passé maintenant. Oui. Il y a des positions qui permettent de... Voilà, c'est ça exactement. Que vous voulez dire? Ah oui, d'accord, oui. Vous voyez. Bizarre, hein? 20 ans de mariage. Pas une relation homosexuelle? Je pense que Dan a parlé de fantasme. Enfin, pour moi, un fantasme, c'est déjà beaucoup. Enfin, pour moi, qu'on parle de fantasme ou d'acte sexuel, le désir est là. Vous en voulez à quelque chose, à quelqu'un? Il y a quelque chose qui n'est pas passé. Moi, ce que je comprends de votre histoire, c'est que personne ne vous l'a dit. C'est que vous l'avez découvert de manière choquante, très choquante. Et qu'ensuite, vous avez eu du mal à vous construire. Oui. Dan, cette jeune femme a eu du mal à se construire. À quel âge vous êtes posé la question de savoir si vous étiez lesbienne ou... Non, je ne me suis jamais dit que j'étais lesbienne. Disons que je me suis dit, à cet âge-là, 9 ans, je me suis dit, mais qu'est-ce que c'est que l'homosexualité? Peut-être que c'est une maladie héréditaire. Et même si pendant maladie. Tout... Héréditaire, enfin... Maladie? Non, héréditaire. Ouais, oui, maladie, oui, oui. Ah oui, je me suis carrément dit ça à 9 ans, parce que c'est vrai qu'à cet âge-là, enfin... C'était au milieu des années 80, donc on n'était plus dans les années 70, mais on ne parlait pas de maladie. Mais les homosexuels étaient quand même considérés comme des pestiférés. Des pervers aussi. Je pense. Enfin, moi, c'est l'image que je garde de cette époque-là dans les médias. Dan, vos enfants? Oui, j'ai un fils homosexuel qui a 29 ans. Donc c'est mon aîné. Vous l'avez su avant que lui ne sache? Oui, oui, il devait avoir 2 ans, je pense, quand je me suis rendu compte qu'il était homosexuel. Il devait avoir quel âge? 2 ans. 2 ans? 2 ans, oui. 2? Oui, oui. Pas oui. 2 ans, Dan, comment non, on peut mais dire si. Ça? Mais je l'étais moi-même. Donc son comportement, sa façon de jouer, sa façon de vivre, sa façon de s'habiller... Arrêtez, Dan, arrête, arrête, de 2 ans. Non, non.
Je l'ai toujours su, je l'ai toujours su. Et le pire... Et le comment s'appelle ce film merveilleux avec le petit garçon qui veut pas faire de la danse, qui veut pas faire de la boxe et qui est danseur? Billy Elliot. Billy Elliot, il préfère un sport qui est majoritairement pratiqué par des femmes, mais il n'est pas homosexuel, Billy Elliot. Comment on peut savoir qu'un enfant de 2 ans... Parce que je l'étais moi-même. Non mais d'accord, mais 2 ans, sa façon de s'habiller, sa façon de jouer et tout. Et je l'ai su dès le départ, et je lui en ai voulu, c'est ça qui est pire. Mais il s'habillait pas à 2 ans. Ben si. Il se promenait pas tout nu quand même. Ah oui, d'accord, non. Oui. Non mais par exemple, les chevaux parfois ont des colliers, mais ils ne se mettent pas tout seul. Si, ils mettaient des colliers, justement. D'accord. C'est un bon exemple. D'accord. Et le pire, c'est que je lui en ai voulu à l'époque. Je lui en ai voulu pas directement, en fait. Je culpabilisais parce que je pensais, je le voyais, lui, devenir, être homosexuel, et moi qui devais refouler cela. Et d'un côté, à l'époque, je ne pouvais pas l'admettre. Non, deux ans, franchement, Dan, là, franchement, là. Non, mais je dis deux non, ans. Je sais pas. Deux ans. Ouais, mais dès 2 ans, je m'en suis rendu. 3 ans, 4 ans, oui, bon. Ouais. Ça vous rappelle quelque chose? Oui. À quelques années près. Bien sûr, à quelques années près, moi... Cédric, qui est notre invité. Ma mère me disait qu'à 5 ans, elle savait que j'étais homo et que mon père lui disait, de toute manière, ton fils sera pédé plus tard. Vous, c'était les colliers, c'était quoi d'autre? La façon... Les jouets, les poupées, des choses dans le genre. Mais moi-même, j'ai joué à la poupée étant enfant, hein. Et vous, qu'est-ce qui faisait penser à votre maman ou à votre... Oui, pareil, j'ai deux grandes sœurs au-dessus de moi, donc les jeux féminins, la Barbie... Non, mais je jouais avec des poupées, c'est plutôt un truc d'hétéro, non? Je sais pas, pour un mec... Ma mère s'est posé des kilos de questions parce que je jouais avec ces fameuses poupées. Elle a donc pressenti que vous étiez homosexuel à partir de l'âge de 5 ans. À 7 ans, elle a pris une décision radicale, je crois que... Elle n'a pas assumé du tout, au point de... Alors, j'ai été placé à la DAS à 7 ans. Pas pour cette raison-là. Enfin, je ne sais pas. Mais ce qui est inscrit dans les papiers administratifs, c'est au motif que vous étiez turbulent. Voilà. Est-ce qu'à 7 ans, on peut... Qu'est-ce que vous leur faisiez, vous êtes turbulent? Je ne sais pas. Pas de souvenir, mais est-ce qu'à 7 ans, on peut être un enfant turbulent au point que sa maman vous place à la DAS? Non. Et qu'il y ait 6 enfants. On est une famille de 6 enfants. Je suis le seul qui a été placé à la DAS. Donc... Comment vous avez grandi avec tout ça? Mal, mais... de foyer en foyer, d'univers en univers, on n'est pas stable, quoi. On peut pas être stable. Vous saviez pour quel motif vous aviez été abandonné, c'est le terme. Même officiellement, c'est le terme. Non, ma maman est partie avec le secret. Ma maman est morte d'un cancer, donc. Non. Vous l'avez revu ensuite. Oui. On se voyait de temps en temps. Attendez, prenons les choses dans l'ordre. Donc à 7 ans, vous êtes placé. Vous passez de famille en famille. 14 placements de 7 ans à 14 ans. 14 placements en 7 ans, ça veut dire 2 parents en moyenne. Vous avez revu votre maman ensuite, Ma maman m'a jamais perdu de vue, si vous voulez. Elle a toujours su comment je grandissais, si j'avais à manger dans mon assiette, si j'étais propre. Mais elle vous appelait, elle venait vous voir ou non. Vous saviez qu'elle prenait des nouvelles de vous? Non. Vous saviez qu'elle prenait des nouvelles? Je savais qu'elle prenait des nouvelles, mais il n'y avait jamais un mot. Enfin, il n'y avait pas de visite. De relation entre... Non, entre pas de visite, pas de coup de téléphone. Si, de temps en temps. Je ressentais qu'il n'y avait pas cette envie qu'on ait la relation de mère-enfant. Jeune homme, c'est le moins qu'on puisse se dire, en tout cas. Quand on est placé à l'âge de 7 ans, je sens que vous en avez gros sur le cœur. J'espère que ça va vous faire du bien de vous libérer de tout ça ce soir. Deux, trois questions à Serge Effès, qui est psychanalyste et qui est thérapeute de la famille, plus précisément, et qui est notre spécialiste ce soir. Bonsoir, Serge. Première question, c'est à 2 ans, à 3 ans, à 4 ans, à 7 ans, est-ce que un enfant... c'est la question de l'inné et de l'acquis, mais est-ce que les parents peuvent savoir, se rendre compte que leurs enfants sont homosexuels aussi petits?
Deux ans. Les enfants, eux, peuvent le savoir. Deux ans, je ne pense pas quand même. Trois, quatre, cinq ans, ils commencent à avoir peut-être des indices qui leur permettent de repérer ça, Les enfants peuvent le savoir. Oui. Mais les parents, non. Parce qu'il y a des enfants, il y a des garçons qui sont plus ou moins féminins, qui aiment des choses plus ou moins féminines, mais ce n'est pas pour ça qu'ils. Mais un garçon qui joue à la poupée, c'est un homo ? Un garçon qui joue à la poupée ? Non, pas forcément. Ça peut être un indice, mais pas forcément. C'est un garçon qui est attiré par des choses féminines, mais après. Bah justement, là, si vous voulez, l'identité sexuée et l'orientation sexuelle, c'est pas tout à fait la même chose. Il y a mille façons d'être un garçon et une fille aujourd'hui. Ça veut pas forcément, ça ne trace pas forcément une orientation sexuelle. Dan dit à deux ans, j'ai su que mon fils était homosexuel. Oui. Parce que je suis homo, donc je l'ai compris. Oui, bon, je ne sais pas jusqu'à quel point il s'est projeté dans son fils, dans quel point il s'est reconnu. Je trouve que c'est beaucoup trop tôt. Je trouve que c'est une projection qui s'est faite beaucoup trop tôt. On reviendra avec vous sur ces décryptages. Est-ce que les... Madame, vous aviez des doutes sur le fait que votre fils soit homosexuel ? Non. Non, jamais. Quand il avait quelque chose d'important à vous dire, ce jour-là au téléphone, c'est la troisième question, vous lui avez demandé s'il était homo. Mais quand il vous a dit ça, vous n'avez pas su tout de suite que c'était... Non. On est souvent surpris, je prends l'exemple de Romain, par la réaction que peuvent avoir ses parents, dans le bon comme dans le mauvais sens. Parfois, on a des parents qui sont très ouverts. Malgré les blagues, Même qui parlent de la question, volontiers en famille, mais quand c'est le fils ou la fille, c'est beaucoup plus dur. Puis parfois, ce n'est pas les parents, c'est les frères et sœurs, alors qu'on s'attendait justement, comme on en parlait tout à l'heure, alors qu'on s'attendait au contraire. Véronique et Jérôme sont également nos invités. Bonsoir, dans votre famille, vous avez choisi la totale transparence, notamment vis-à-vis de votre fille. Quel âge a votre fille ? 17 ans. 17 ans. Elle est avec nous dans le public. Où êtes-vous, jeune mademoiselle ? Bonsoir, mademoiselle. Vous appelez comment ? Marie, j'ai entendu. Marine. Marine, excusez-moi, pardon, je suis désolé. Vous êtes mariés tous les deux depuis 20 ans ? Oui. Vroom, vroom. Vous formez un couple atypique. Oui. Pour quelle raison ? Pour quelle raison ? Nous sommes atypiques au niveau de la société, surtout. Par rapport à la norme majoritaire. On ne se considère pas comme atypique. D'accord, alors expliquez-nous. Concrètement, qu'est-ce qui... Il est homo. Il est ? Il est homo. Vous êtes ? Je suis hétéro. Vous vivez ensemble ? Oui. Vous êtes mariés ? Oui. Vous faites l'amour ensemble ? Non. Moins. Vous avez dit non, elle a dit moins, c'est pas pareil, hein ? Bah, disons que on a une fille. On a d'accord. Voilà. Vous avez fait l'amour une fois ensemble ? Non, un petit peu plus, quand même. Un petit peu au début, oui. On va dire. Votre femme nous a dit un petit peu au début, et de moins en moins au fil des années. Voilà. Et encore un peu de temps en temps. Plus maintenant. Depuis combien de temps ? Pour tout dire, j'ai pas de désir pour les femmes. Vous êtes ce qu'on appelle être homosexuel, enfin. Bah voilà. Voilà. Donc vous avez des relations avec des hommes ? J'aime les femmes pour leur beauté, pour plein de choses, mais je n'ai aucun désir. Vous aimez les hommes ? Oui. Vous aimez cet homme en particulier, d'amour ? Surtout celui-là, oui. Comment vous... Enfin, je sais pas, c'est... Non, mettez-vous pas ça. C'est juste de la curiosité. Toute curiosité n'est pas malsaine, vous me l'accorderez. Tout à fait. Comment vous pouvez supporter d'être amoureuse d'un homme qui ne vous désire pas ? Et en vous... Est-ce que vous avez d'autres relations à l'extérieur ? Non. Non ? Non. Depuis 20 ans ? Oui. Zéro. Parce que notre relation, elle est basée essentiellement sur la complicité et puis de l'amour, mais de l'amour qui n'a rien à voir avec le sexe. Non, d'accord. Comme par exemple, on peut aimer sa sœur, son frère, ou ses parents. Mmh. C'est de l'amour. Ah oui. Mmh. Mais vous avez une relation sexuelle, vous avez une sexualité ? J'ai eu une sexualité homosexuelle, oui, puisque quand on s'est rencontrés dans le travail, j'étais avec un garçon. Mais depuis, rien ? À partir du moment où j'ai décidé de vivre avec elle, j'ai arrêté totalement... Vous n'avez pas eu de relation homosexuelle depuis 20 ans ? Si, j'en ai eu là depuis à peu près 2 ans, j'en ai à nouveau. Parce que j'ai attendu pour bien m'occuper de ma fille, de notre fille. Vous êtes privé de sexualité, je dirais, l'un et l'autre, à peu de choses près. Parce que je me connais. Ou alors vous me dites, ça ne m'intéresse pas, etc. Oui, on va dire comme ça. Disons ça qu'il y a autre chose que la sexualité, quand même. C'est pas parce qu'il y a sexualité qu'il n'y a pas autre chose. On est d'accord. Il peut y avoir autre chose. D'accord. Marine, comment on vous a expliqué cette situation atypique, effectivement ?
Bah, en fait, bon, déjà, j'avais 6 ans. 6. Oui, c'était à table. Et en fait, bon, j'ai pas très bien compris la première fois. Qui a dit quoi? Bah, c'est mon père qui m'a dit. Et à vrai dire... Qui vous a dit quoi? Bah, il m'a dit, bah voilà, je suis gay. Bon, sur le moment, j'ai pas très bien compris, c'est sûr. Bah oui, papa, tu es joyeuse. Bah, pour moi, c'était naturel, il n'y avait rien de changé. Mais après, ils ont... Naturel sans trop comprendre, vous disiez à 6 ans. Oui, voilà. Mais après, ils ont toujours été ouverts devant moi. Et enfin, ils ont toujours... Expliquer les choses. Oui, voilà. Sans laisser de part d'ombre. Oui, voilà, sans tabou, sans rien. En disant qu'ils s'aimaient tous les deux, mais qu'ils n'avaient pas ou peu de relations sexuelles. Mm. Et donc, je l'ai compris au fur et à mesure, en fait. Vous êtes posé la question sur votre identité sexuelle, vous, un peu plus tard? Oui, j'avoue, oui. Mais... Oh, c'est pas... C'est... À vrai dire... Avouez peut-être le mot, non, est un peu fort. Mais... Non, bien sûr. À vrai dire, j'aime une personne, j'aime pas son sexe. Donc... Ah bon? Donc bah... vous aimez aussi bien les garçons que les femmes? Bah non. Dans votre vie, dans ce qui s'est passé dans votre vie? Bah... Rien de spécial pour le moment. Enfin, j'ai... Non, j'ai rencontré des garçons, bon, j'ai rencontré des filles aussi, mais... Vous avez plus eu de des garçons, relations peut-être. Vous avez des relations amoureuses avec des garçons et des filles? Je suis pas né hier, hein, je sais que ça existe, hein, donc... Oui, mais, oui. Oui, 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 donc oui, d'accord. Vous le saviez? Oui. Oui. On se dit tout. Je préfère que vous le sachiez plutôt que ce soit une révélation ici, oui. D'accord. Après, la question de l'influence par le modèle se pose. Qu'en pensez-vous, Marine? Non, parce que... Bah... Non, je pense pas. Ils étaient très ouverts, mais d'un autre côté, je pense pas réellement. Je me suis posé des questions à 14 ans, à 8 ans, même à 5 ans, bon, bah... À 5 ans ou à 6 ans? Non, 5 ans, enfin... 5 ans, vous saviez déjà qu'il y avait quelque chose de... Bah de... oui, c'est vrai que vers 5 ans, je commençais à... Sentir qu'il se passait quelque chose. Mmh. Quoi? Bah... Des attirances. Mais... De qui, pourquoi? Bah, pour une fille. Ah, de vous? Oui, de moi, pour une fille. Ah, d'accord. Mais après, bah... Bon, bah c'était... Bon, bah, je laissais filer, en fait. Et là, aujourd'hui, en ce moment, actuellement, vous êtes avec un homme ou avec une femme? Je suis avec personne. D'accord. Le jeu reste ouvert. Et la personne, la dernière personne avec qui vous avez été? Un homme. Un homme. Et avant? Une femme. D'accord. Vous avez essayé, vous? Non. Non. Les femmes, non. Ah, non, effectivement, oui, j'aurais pu poser... Ouais. D'accord. J'en suis où, moi? Vous avez des frères et sœurs? Non. Est-ce que... Moi, j'ai été surpris de voir que parfois les frères et les sœurs réagissaient plus difficilement que les parents eux-mêmes, dans le cadre humain, même si... Ton frère, votre frère, a accepté depuis, vous êtes parlé, le reportage a 10 jours, et vous êtes visiblement bien parlé, tant mieux. Alors qu'il avait eu des mots quand même un peu compliqués, hein, qui disaient, en gros, si t'es homo, t'es plus mon frère. Voilà, exactement. Non, si t'es homo, t'es plus mon frère. C'est lourd. Ça met la barre un peu haut. Hein. Là, on va regarder un autre reportage. Donc, il s'agit de l'histoire de deux sœurs. Laetitia et Angélique, tintin, face à face, oulala, les yeux. Je crois qu'il y a beaucoup d'amour entre vous, hein. Oui. Oui. Et de la difficulté d'être. Angélique, ça fait maintenant donc 5 ans que Laetitia vous a parlé de son homosexualité. 5 ans, une sexualité qui vous dérange. Vous avez accepté d'en débattre ensemble devant les caméras, en famille, dans votre cercle de vie, là où vous habitez. C'est une conversation franche, moins qu'on puisse dire. C'est un reportage de Sylvie Bidel de Thierry Andréot. Dans son petit village du Poitou, Laetitia, 29 ans, ne passe plus inaperçue. Il y a 9 mois, elle décide de révéler son homosexualité d'une manière plutôt originale. Sa préférence pour les femmes, elle a choisi de l'écrire plutôt que de la dire, en publiant un livre, Éphélide. Alors ce livre représente pour moi une renaissance. Avant de faire Éphélide, j'étais morte. Et avec Éphélide, j'ai tourné la page sur beaucoup de choses. Et aujourd'hui, je suis vivante. Et ça m'a donné de la force aussi pour enfin lever la tête et dire, ben voilà, j'aime les filles, les femmes, mais c'est pas pour ça que je dois être comme ça.
mais que je dois rester comme ça parce qu'après tout, je suis Laetitia. Après avoir vécu pendant 8 ans en couple avec un homme, avec qui elle a eu 2 enfants, Laetitia démarre une nouvelle vie. Elle a fait construire une maison où elle vit depuis 2 ans avec ses 2 fils et Ali, sa compagne. Il est mort ? Bah oui ! Pour apprendre son homosexualité à ses 2 enfants, Laetitia l'a fait tout en douceur, en laissant le temps à Ali de se faire accepter. Ouais, bien. Wow. Très bien. Très sage, ils ont fait un petit peu de peinture. Ah ouais ? Ouais. Sans se salir. Cette fois-ci, donc tout va bien. J'ai pas vraiment annoncé aux enfants mon choix de vie. Un jour, j'ai été voir Tilane, je sais pas si tu t'en rappelles, et puis je t'ai demandé c'est qui Ali pour toi ? Est-ce que tu comprends qui est Ali vis-à-vis de moi ? Est-ce que tu aimerais que je me remette avec un monsieur ? Et puis Tilane m'avait dit non. Tu m'avais dit non, et puis après, c'est là où je lui ai dit. J'ai dit, bah tant mieux, parce qu'il n'y aura plus de garçons, maman n'aime pas les garçons. Et Tilane avait répondu, ouais, j'aurai jamais de beau-père. N'est-ce pas ? Bah tiens, allez, hop, on va la mettre. Voilà. Le petit dinosaure. Et essaye de manger proprement, Steven. Maïté, la mère de Laetitia, a également très bien accepté le nouveau choix de vie de sa fille. J'ai accepté, hein. C'est ma fille. Donc je vais pas la renier parce qu'elle est homo et elle est comme ça, elle est comme ça. Ce que je me suis dit, j'ai dit, heureusement, on m'a fait 2 petits-fils. Donc j'ai des petits-enfants. Mais je crois que j'aurais pas eu mes 2 petits-fils. J'y en aurais pas voulu. Mais j'ai pas beaucoup de famille, alors le peu que j'ai, ça me fait très plaisir que ma famille réagisse comme ça, que les choses se passent bien. C'est un peu plus délicat avec d'autres. Et c'est le moins qu'on puisse dire. À l'annonce de l'homosexualité de Laetitia, Angélique, son unique sœur, ne s'est pas montrée aussi compréhensive. Je me suis dit que qu'elle ferait plus partie de ma famille, voilà. Dans ma tête, je lui ai pas dit, hein, mais dans ma tête, oui, c'est ce que j'ai pensé, tellement que j'ai été choquée et que je trouve ça répugnant entre filles. Enfin, c'est surtout que ça vient de ma sœur, quoi. Malgré tout, Laetitia n'a pas envie de rompre les liens avec sa sœur et persiste à vouloir lui faire accepter son choix. Aujourd'hui, elle a décidé de lui rendre visite avec Ali, mais ce n'est pas gagné. Je vais passer tout à l'heure. Ça te dit ? Je vais venir avec Ali. Ok ? Tant que tu respectes mes choix, que tu te tiens, oui. Donc je te dis à tout à l'heure ? Ok, à tout à l'heure. Donc, elle est d'accord, on va aller boire le café toutes les deux. Et puis, il y a les enfants qui sont en vacances, il faut se tenir. D'accord. Angélique mène une vie totalement différente de celle de sa sœur. Pour cette hétéro convaincue, mariée et mère de 5 enfants, à chaque fois que Laetitia vient avec Ali, c'est le branle-bas de combat. On fait comme d'habitude ? Oui. Allez. Tout le monde dans sa chambre et interdiction d'en sortir. Pas question que ses enfants sachent que leur tata est amoureuse d'une femme. Salut ma chérie. Ça va ? Ma petite chérie. Ça va. Bonjour. Bon, je t'offre un café ? Oui, ça va. Tu veux un café ? Oui, je veux bien. Tu peux t'asseoir sur le canapé si tu veux. D'accord, oui. C'est calme, ils sont où les petits loups ? Bah, ils sont dans leur chambre. En train de jouer. Comme à chaque fois qu'elle vient chez Laetitia, Ali est mise à l'écart. Il a suffi d'une fois où on se prenne la main et sa sœur n'a pas apprécié, donc du coup, je ne suis pas très bien acceptée chez elle, quoi. Elle a peur qu'on saute dessus, en fait, mais je la comprends vis-à-vis de ses enfants. Je la comprends tout à fait. Ali ? Tu veux venir ? Tu te mets là ? Bah, va se mettre à côté de moi, tiens. Ah non, non, si. Non, si. Non. Viens. J'enlève la chaise. Mais putain, j'enlève la chaise. Bah, elle peut bien se mettre à côté de moi, il va rien y avoir. Non. Elle sait se tenir. Pour l'instant, non. Tu sais que c'est ma crainte. Pourquoi tu me cherches ? Je te cherche pas, mais on peut faire tous un effort et puis elle va se mettre là. Non. Et puis il va rien y avoir. Le fait de savoir que vous vous embrassez, que vous faites des choses intimes, ça me dégoûte.
Mais ça se voit pas sur notre front quand même. Mais j'ai honte que ma sœur soit homo. Je m'en fous des autres, mais c'est moi, j'ai honte. Je suis pas capable d'avoir la surprise de ta visite avec ta copine sans que je prévienne mes filles. Moi, il faut que je les prévienne à tout prix. Hein. Attends. Ben ouais, mais j'ai... Tilan et Steven sont nickel et je leur ai pas forcément expliqué les choses parce que ça se fait naturellement. Fais l'essai avec tes enfants et tu verras. Mmh. Les gamins, ils vont pas te poser des questions. Ils vont pas dire, hey, pourquoi tata est toujours avec accompagnée de machines, voilà. Ah, si, sache que déjà Kimberly m'a posé la question et Marie aussi. Et alors, bah t'as dit quoi? Je ne veux pas leur répondre. Bah qu'est-ce que tu t'as peur que ça fasse quoi? Bah j'ai pas envie que mes filles deviennent comme toi. Ça fait un choc et puis ce qui me vient à l'esprit c'est que voilà, c'est que la vie que j'ai enfin décidé de vivre peut bouleverser celle des autres sans que je le veuille. Si tu m'expliques le fond du pourquoi tu es comme ça... J'arrête pas de te dire. Au fond, peut-être que les choses vont s'arranger et que je vais de plus en plus vous accepter toutes les deux, quoi. Oui. Ah bah, lié et Félide, puisque tu l'as pas lu. Non, je préfère encore que tu me le dises de vive voix. Ce sera plus facile pour te comprendre, parce qu'au moins, si j'ai des questions à te poser, c'est pas ton livre qui va me répondre, c'est toi. On est assez complices, quand même. Tu peux bien m'en parler. Parce que j'ai été très très déçue de ma vie d'hétéro et j'ai eu des gros blocages qui se débloqueront jamais et qu'au fond de moi, depuis toute jeune, j'ai toujours été attirée soit par ma maîtresse à chaque fois. Oh, je ressentais des choses, mais je sais que c'est des choses qui dépassaient la normalité. C'était de l'amour, ce que je ressentais. Et puis voilà, puis c'était au fond de moi et puis ça n'a pas changé. Et puis voilà, c'est comme ça. Oh, t'as quand même été avec un homme avant, avec deux enfants. T'as quand même été avec un homme, tu n'as pas fait avec une femme. J'ai aimé mon conjoint, mais voilà, ça, il y a eu une rupture. Et puis j'ai plus envie d'avoir d'autres hommes, et c'est des femmes. Pourquoi t'as pas essayé avec un autre homme? J'ai réessayé. J'ai pas dit que j'avais pas... J'ai essayé, mais non, je ne peux pas. J'apprends les choses, mais c'est pas grave ça. On en discutera après. Je veux pas perdre la complicité que j'ai avec toi. Mm-mm. Mais j'ai peur qu'un jour, bah, ça arrive. J'ai peur qu'un jour, t'en aies ras-le-bol puis que tu le prennes mal. Ou j'ai peur que je ne change pas du tout d'opinion aussi. Mais moi aussi, j'en suis malheureuse. Moi aussi, je suis malheureuse de cette situation. Parce que du coup... Moi, je suis contente qu'on m'accepte avec mon mari et mes enfants. On est invité à manger, tout se passe bien. Mais moi, je ne le fais pas pour ma sœur. Je ne l'invite pas à mes baptêmes. Parce que j'ai honte qu'elle vienne avec ses copines se présenter devant tout le monde. J'ai honte de dire qu'elle est homo. Je voudrais que ça change. Je suis d'accord de faire l'effort. Ça viendra petit à petit. Allez, on peut là. On va faire des efforts. Bah ouais. Je vais faire des efforts. Yes. Qu'est-ce qui fait pleurer comme ça? Ouf, oh les yeux. On dirait des mitraillettes. Non. On peut être là pour continuer le dialogue avec le recul. Je m'aperçois que je suis dure. Ouais, je m'aperçois que je suis dure quand même. Je vois quand même il y a plusieurs histoires ce soir et... C'est-à-dire? Il y a plusieurs... Chacun a son histoire, en fait, dans l'homosexualité. Et je vois que moi, je suis en train de la rejeter. Des mamans acceptent leurs enfants. Moi, je suis en train de la rejeter, en fait. Mais j'en souffre et je la fais souffrir en plus, quoi. Et alors que...
Il y a d'autres personnes qui arrivent à bien l'accepter et tout se passe bien. Je veux dire, il y a pas de honte dans l'amour, quoi. Si c'était votre frère, par exemple, ça changerait quelque chose? Je parle, est-ce que vous vous sentez aussi, parce que vous êtes une femme, comme vous disiez tout à l'heure que vous aviez des images de femmes, est-ce que le fait que ce soit une femme, il y a un potentiel d'identification qui ajoute quelque chose? Oui, ce que je veux dire. Je pense que si c'était mon petit frère, par exemple, je pense que je le prendrais mal aussi. Mm. Parce que ce serait mon frère. Mm. Mal, même très mal, hein, en l'occurrence. Là. Ouais. Ouais, vous le disiez avant pas. Mm. Non, le recul des images permet de se voir, que ce soit vous, Laetitia, ou que ce soit votre sœur Angélique. En regardant tout ça, vous aviez eu le même sentiment en le vivant qu'en le regardant aujourd'hui? En le vivant, ça a été dur, surtout quand on a discuté chez elle. Et puis j'ai compris un peu chez elle ce qui la gênait vraiment. En l'occurrence? Quand elle a eu vraiment... quand elle a craqué, qu'elle a un peu pleuré et tout. Qu'est-ce que vous avez compris? Bah, que ça la gêne auprès de ses enfants. J'ai des petites nièces, des neveux. Pour moi, c'est quelque chose de normal. Moi, mes enfants, j'ai pas eu à leur cacher. J'ai pas eu non plus vraiment à leur dire, puisque ça s'est fait comme ça. Voilà, ils ont connu une compagne. Bon, après, un compagnon, un papa d'abord. Hein. Un papa d'abord. Vous vous en souvenez? Oui. Oui, 8 ans avec un papa, donc. Comment vous l'avez dit à lui? Je lui ai pas vraiment dit, en fait, puisque c'est lui qui a rompu. Je lui ai dit, bon, après, hein, il l'a su. Il a rompu parce qu'il y avait plus d'amour ou parce qu'il n'y avait pas vraiment de complicité entre vous, je pense notamment sexuelle? Je veux dire, si vous étiez vraiment... homosexuel, je... Oui, ben, vers la fin, oui, on va dire. Parce que j'ai quand même aimé mon conjoint. Ça a été le premier homme que j'ai eu et le dernier. Il n'y en aura pas d'autres. Et donc, pour d'autres raisons, hein, il y a eu que cet homme-là et il n'y en aura pas d'autres. C'est pour une raison. Pardon, je vous interrogeais sur lui. En l'occurrence, ce n'est pas le sujet dont on parle maintenant, mais simplement pour savoir comment il a réagi. Quand vous lui avez annoncé que vous étiez homosexuel, vous dites... Bah, rien, il a rien dit. Non, parce que, je sais pas, moi, je me... Tout homme peut se mettre à sa place en se disant, donc, celle que j'ai aimée, celle avec qui j'ai fait l'amour, nanana, s'est toujours senti dérangé par ma présence. On n'en a pas vraiment parlé, en fait. Non, d'accord. Pas vraiment parlé, et puis... Il a dit bon, oui, bon, d'accord, ça et voilà, passons à autre chose. Ça a été une rupture ensemble. D'accord. Donc, j'ai... C'est hors sujet. Voilà. Pardonnez-moi, je reviens à Angélique, parce que votre maman l'a bien pris. Oui. Votre papa l'a bien pris? Oui. Oui, oui. Il n'y a que votre sœur qui l'a mal pris. Vos autres frères et sœurs? Mon frère accepte. Mon petit frère. Et c'est celle dont vous êtes la plus proche qu'il accepte le moins. Voilà. Ce que vous... Alors, il n'y a pas vos enfants, hein, je crois que ça, c'est clair. Ouais. Puis aussi les gestes que vous ne, qui vous dérangent. Le fait qu'elle se tienne par la main. Ouais. Elle se tenait par la main tout à l'heure au début de l'émission. Hein, là, elles ne le font plus. Je ne regarde pas. Ne regardez pas. Il y a beaucoup de monde, donc je me retiens. Ça vous gênerait si elle le faisait? Là, tout de suite? Non, mais attendez, c'est pas... Ouais. Oui, oui, ça... Vous imaginez tout de suite ce dont vous avez parlé tout à l'heure ou... Pas de provoque, si? Non, oui. Qu'est-ce qui pourrait évoluer chez vous? Vous souhaitez que ça évolue quand vous dites « je me sens dur ». Ouais, ça veut dire « je ne suis pas contente de cette situation de... ». Non, parce que c'est comme je le disais dans le reportage. Moi, j'aime bien qu'on m'accepte avec mon mari, hein, qu'on m'accepte avec mes enfants. Et je c'est suis vrai, ça, les hétéros, ça vous dérange? Non. Non, c'est vrai. Non, je suis acceptée partout avec mon mari. Et je me dis, et si c'était l'inverse, que Laetitia ne m'accepte plus avec mon époux? Wow. Comment je réagirais? C'est nouveau, ça vient de sortir comme pensée, ça? Non, je l'ai pensé. Enfin, je lui interdis d'être heureuse parce qu'elle vient chez moi. Et je ne peux pas.
Je peux pas l'interdire de venir avec sa compagne. Je ne peux pas l'interdire de venir à un baptême parce qu'elle va être accompagnée. Elle n'aime pas votre conjoint pour vous y aider pensé pareil? Non, non, pas du tout. Non, non, c'est simplement le fait de vous identifier, de vous mettre dans la peau de... Voilà. Bah, c'est un beau travail, je trouve, de faire ça. Mais... Vous le savez, voilà. Oui. Écoutez. J'ai compris, en fait, pendant le reportage, qu'elle pouvait en souffrir. Elle ne me l'a jamais montré, mais j'ai compris qu'elle pouvait en souffrir. Vous n'avez pas beaucoup entendu, Ali, il faut dire que je ne vous ai pas posé beaucoup de questions non plus jusqu'à présent. Qu'est-ce que vous pensez du comportement de votre belle-sœur? Comment ça se passe dans votre famille à vous? Ils acceptent. D'accord. Qu'est-ce que vous comprenez? J'ai pas dit accepter, mais qu'est-ce que vous comprenez du comportement d'Angélique? Vis-à-vis de ses enfants, je comprends tout à fait les pensées qu'elle peut avoir, mais de là à m'empêcher d'aller chez elle, il y a une marge quand même. Je sais me tenir en société, quoi. Je sais pas non plus sauter dessus, quoi. Il y a ça, puis il y a les gestes qui dérangent. Voilà. Nadine, quand vous avez vu votre fils dans ce reportage, là, vous ne l'aviez pas vu parce que c'est passé sur le quai de la gare, faire un bisou à son copain. Oui. Toujours un choc, hein, je veux dire, pour tout le monde, de voir pour la première fois deux hommes s'embrasser ou deux femmes s'embrasser. Mais alors, quand c'est son fils, ça devient concret, quand même. Oui, mais ça ne m'a pas plus dérangé que ça. Qu'est-ce que vous avez ressenti? Ils s'aiment, donc je ne vois pas pourquoi. Ils ne se feraient pas de bisous, et voilà. Vous, madame, qui parliez autrefois de tapette, de fofolle, etc. Non. Non, mais voilà, c'est mon fils. Il est heureux, il a un copain, et voilà. Pourquoi ils n'auraient pas le droit de... Pas mal ce que dit Nadine. Est-ce que vous vous dites que votre sœur est heureuse, que Laetitia est heureuse avec Ali? Ali? Comme Ali McBeal? Oui, je me dis qu'elle est sûrement heureuse avec Ali, oui. Puis j'espère pour elle, d'ailleurs. C'est le cas? Oui. Est-ce que vous êtes contente pour elle? Pour elle, oui. Oui. Donc contente? Juste contente, oui. Même juste contente? Oui, juste contente. On va regarder un extrait à nouveau de ce reportage. Vous allez nous dire si ça, c'est encore possible après cette émission que vous le disiez à nouveau. Le fait de savoir que vous vous embrassez, que vous faites des choses intimes, ça me dégoûte. Mais ça se voit pas sur notre front quand même. Et j'ai honte que ma sœur soit homo. Je m'en fous des autres, mais c'est moi, j'ai honte. T'as peur que ça fasse quoi? J'ai pas envie que mes filles deviennent comme toi. Honte? Oui. Honte vis-à-vis de qui? En fait, j'ai honte pour moi, en fait. C'est-à-dire que... Pourquoi pour vous? Par exemple, l'inviter quelque part, la présenter comme une homo, comme moi je me suis fait une image par rapport à l'homosexualité. Quelle image? Non, pas l'image de la tête entre les deux. Oui, mais voilà. Non, mais ça, c'est rien. Hey, franchement, il n'y a pas que les homosexuels qui font, je vous sais, Angélique. Hein, sortons du monde des bisounours quelques secondes. Non, mais ce que je veux dire, c'est que j'ai honte. J'ai honte de la présenter. J'ai honte de dire que ma sœur a une copine. Mais pourquoi? Parce que vous avez peur du jugement des autres? Des autres, et puis qu'on me dise quelque chose à moi. Tiens, c'est ta sœur. Voilà. Alors ça, moi, ça m'agace d'entendre ça, parce que c'est plus nous qu'on doit avoir peur de ces réactions-là. Oui, qui avait affronté le jugement des autres, le regard des autres. Voilà, qu'une hétéro, quoi. Que la sœur d'une homo. Parce qu'elle dit la sœur d'une homo. Votre Angélique dit, je suis dérangée qu'on me dise, oui, mais quand même, ta sœur... C'est plutôt moi qui devrais avoir peur qu'on pense ça, qu'on me lance des choses dans la figure. Oui, mais moi, peut-être que du fait qu'on me le dise, ça me dérange. Nous, on est obligés parfois de se cacher. Ah bon? Un peu. Oui, la société actuelle fait que, il y a des... Vis-à-vis de qui? Il y a des... Dans certaines circonstances. On est obligés de... Par exemple, concrètement, Ali, on a entendu beaucoup. Au travail, par exemple. Vous êtes au travail, il y a une collègue. Vous savez que vous êtes sur un programme national qui passe dans toute la France, notamment, mais aussi en Belgique, en plein de pays. Oui, oui. Au Liban, en Afrique, enfin, on va le savoir. On sent que ça bloque, donc on tempère. Les gens le savent? Voilà. Oui. Avec mon livre, oui. Oui. Il y en a qui le savent. Tout le monde n'a pas forcément lu votre livre. Non.
Angélique, en tout cas, on sent que ça avance. Hein. Juste une statistique. Un sondage qui a été réalisé il y a peu de temps. 45% des femmes homosexuelles refoulent leur homosexualité. Contre 10% seulement chez les hommes. Serge Effès, pourquoi est-ce qu'on se sent si mal à l'aise, les femmes, la société en général, dès qu'il s'agit d'homosexualité féminine? Pourquoi plus? Beaucoup plus, beaucoup plus. Quatre fois plus. Mais en fait, c'est assez paradoxal, parce que si vous regardez les films érotiques, voire les films pornographiques, on montre souvent des scènes d'homosexualité féminine. C'est-à-dire, il y a quand même cette idée, que l'homosexualité féminine, elle fait partie des fantasmes féminins, presque des fantasmes féminins. Ah oui, mais là, vous savez, c'est aussi masculin. Hein. Mais pas masculin, évidemment. Non, les hommes font passer cette idée. Mais ce que je veux dire par là, c'est que, par contre, ce qui passe plus mal, c'est l'idée qu'une femme vive avec une femme. C'est-à-dire, c'est l'idée qu'une femme refuse un homme comme étant celui qui va la combler et celui qui va lui faire plaisir. Ça, c'est très très mal accepté. Comprenons bien le sens des mots. Hein. Là, c'est refoule. Ça veut dire que presque une femme homosexuelle sur deux ne vit pas son homosexualité, ne la vit pas. Non. Vit une vie d'hétéro. Oui, moi je... Et comme disait la reine Victoria, ferme les yeux et pense à l'Angleterre. Serge Effès, psychanalyste, venez en juin. Serge Effès, psychanalyste, mais qui a travaillé beaucoup sur l'homosexualité. Toute la famille et l'homosexualité, la question que ça pose, non seulement pour celles et ceux qui le sont, mais aussi, on l'a vu, tout autour. Tout autour, oui, la famille, les frères et sœurs. Je trouve que c'est très intéressant de montrer ce soir les réactions des frères et sœurs. C'est vrai, on est toujours focalisé sur les parents, alors que les parents, souvent, ils aiment leurs enfants de façon inconditionnelle, ce qui leur permet d'accepter beaucoup de choses, alors qu'au niveau des frères et sœurs, c'est souvent beaucoup plus dur. Angélique, ça vous a surpris? Ben, oui et non. Une jeune femme avec un grand cœur, comme ça. Parce qu'on voit bien deux sœurs qui sont si proches, à quel point elles sont entre la complicité, la rivalité, l'identité, et que c'est très violent pour elles, parce que ça lui renvoie quelque chose de très personnel. L'identité, pardon. Oui. C'est-à-dire ? Être identique, être pareil, on grandit ensemble, on a les mêmes jeux, on se regarde en miroir l'une de l'autre. Hein. Donc, si elle est homo... Ben, écoutez, ça lui renvoie en tout cas une image de sexualité très forte. Oui. Hein. Non, mais peut-être que si vous vous sentez si proche de votre sœur, ça veut dire que c'est comme si vous l'étiez un peu, tellement vous êtes proche d'elle. Par identification. Oui. Le fait qu'elle ait cette image sexuelle extrêmement forte, que moi, parce que je rame. Ça touche quand même très fortement son identité. Ça veut dire qu'effectivement, elle voit surgir des images qu'elle n'a pas envie de voir. Et ça l'interpelle personnellement. Oui, oui, c'est vrai. Non, puis c'est pas comme si ça sortait d'un monde qui était loin d'elle, qui était quelqu'un en qui elle est sûre qu'elle ne pourrait pas s'identifier. Non. Parce que là, sa sœur, elle a grandi avec, elle la connaît par cœur, oui, elle s'est comparée à elle toute son enfance. On a partagé des choses, et puis c'est vrai qu'on a vécu certaines choses qui ont été plus ou moins douloureuses, qui nous a rapprochés. Des moments de la famille qui ont été très durs quand vous étiez petite. Qui nous a rapprochés à un certain moment de ma vie, notamment quand j'ai eu mon premier enfant. Et c'est vrai que de là, on s'est construit vraiment notre petit cocon à nous deux, quoi, je veux dire. On était deux, c'était moi et elle. Un couple. Non, pas un couple, mais vraiment... Un duo. Ouais, enfin, je veux dire, on était très, très complices, et tout d'un coup, ça a cassé... Vous saviez que vous étiez une femme attirée par les femmes, homosexuelle déjà à l'époque? Ouais. Depuis toute jeune. Depuis toute jeune? Aussi loin qu'ils vous en souviennent, pas? On va dire... Ah oui, les maîtresses d'école, vous me parlez des maîtresses d'école. 8 ans, 8-9 ans. 8-9 ans. Vous aviez l'impression de trahir votre sœur en partage... Pardonnez-moi, laissez-moi aller au bout de ma question avant de faire cette tête-là. Quand vous partagiez ensemble autant de choses, des moments forts, un duo, disait votre sœur Angélique, ne pas lui dire totalement qui vous étiez en cachant une part de votre identité, est-ce que c'était une façon de la trahir? Oui, c'était la trahir, c'était... Je ne vais pas vous faire dire ce que vous ne pensez pas. Hein. Et puis... Moi, ça me gênait qu'elle ne sache pas qui je suis réellement. Avec énormément de complicité, mais il manquait une information importante. Et je pense que j'ai été très honnête avec toi, puisque... Non, pas tout à fait à ce moment-là. Non, mais ce que je vais lui dire, là, ce soir, c'est que je lui ai annoncé en face à face, alors que les autres l'ont su avec le livre Éphélide. Et toi, tu l'as su face à face. C'est pas gentil de montrer du doigt. Vous lui en voulez aujourd'hui? Ouais, sur certains comportements, oui. C'est... Certains dires. J'aime pas quand on nous met le masque qu'on est des pervers, qu'on est sale.
etc. Quoi. C'est pas ce que j'ai dit. Non, est-ce que j'ai l'impression que les choses qu'Angélique a envie d'évoluer ou c'est... C'est pas ce que j'ai dit. D'accord, on m'a pardon, posé d'abord, la question, oh là, qu'est-ce la que j'ai pensé pervers, au d'abord. Moment où tu me l'as annoncé. C'est la chose que j'ai vue. Maintenant, on me dit, un chat vient de se faire écraser, je vais voir le chat, tu vois, coupé en deux. Oui. C'est pareil, c'est une image par rapport à ce que tu m'as annoncé. Bizarre comme comparaison. Ouais. Oui, non, mais je veux dire, on apprend à un enfant à l'école... Appelons un chat et une... Attendez. On apprend à un enfant à l'école que quand on lui dit un mot, il faut qu'il se fasse une image. Ben là, quand elle m'a annoncé ça, je me suis fait une image. Ben... Voilà, c'est tout simple. Seulement, fille à fille, je pouvais pas m'inventer mariage, enfant... non, je pouvais pas elle avait déjà avoir des ça enfants. Comme image, quoi. Déjà des enfants. Oui, non, mais quand on apprend une homosexualité, on peut pas dire mariage, enfant. Donc c'est une autre image qui te vient en tête, quoi. J'ai l'impression que vous parcourez du chemin, enfin, vous l'avez dit vous-même. Vous êtes consciente du chemin que votre sœur est en train de parcourir? Oui. Vous pouvez passer sur tout ce qui s'est passé pour essayer de renouer avec elle, une complicité comme avant? Ouais. Vous voulez lui faire un bisou? Oui. Et vous pouvez. C'est chouette. Ça n'avait pas prévu. Alors comme on est en direct, j'en profite. Est-ce que vous voulez faire un petit bisou à Olive juste pour lui dire tu fais partie de la famille? Non, ça, j'en prends pas, j'ai tout dit. Qu'est-ce que vous voulez? Allez! Je vous laisse finir l'émission. Moi, ça s'est très bien passé, je rentre me coucher. Merci beaucoup. Bravo, Angélique, bravo à toutes les deux, franchement, un chapeau. Je me demande comment réagit Fabienne qui est avec nous dans cette assemblée. Ah oui, Fabienne, on vous reconnaît au fait qu'on ne vous reconnaisse pas. Fabienne, bonsoir. Bonsoir, Jean-Luc. Une maman isolée. Oui. Complètement isolée de sa famille aujourd'hui. Oui, tout à fait. Enfin, non, je ne suis pas isolée de ma fille. Je vois ma fille, mais je ne vois pas mes autres enfants. J'ai deux autres enfants que je ne vois pas. Ah là, ce ne sont plus les frères et sœurs, ce sont les enfants, Serge. Voilà. Donc mes enfants ont rejeté m'ont rejeté à cause en partie de mon homosexualité, puisque le papa est homophobe. Donc, oula. Donc, vous êtes resté combien de temps avec ce monsieur, je suis restée 14 ans. De relations sexuelles parfaitement épanouissantes C'est-à-dire qu'il n'était pas demandeur, moi non plus. Donc, bon, on a eu trois enfants. Vous avez fait l'amour trois fois en tout et pour tout? Non, quand même pas. Il ne faut pas exagérer non plus. Mais vous saviez que vous aimiez les femmes depuis oui, le début? Oui, je l'ai toujours su. Donc, vous faisiez partie de ces 45% de tout femmes. Tout à fait. Certaines nous regardent ce soir. Tout à fait, oui. Qui refoulent. Vous avez été heureuse en construisant une famille? Non. Qu'est-ce que vous dites aux femmes qui nous regardent ce soir? Eh bien, qu'il faut assumer son homosexualité et vivre et ne pas s'occuper de regarder les autres. Mais pourtant. Mais l'assumer très tôt, au risque de ne pas avoir d'enfants, même si l'oboe... Non, elles auront des enfants ou ils auront des enfants. D'accord, donc voilà. C'est pas la question des enfants. Voilà. Non, mais en revanche, vous qui l'avez assumé sur le tard... Ah, moi, je regrette beaucoup de l'avoir assumé sur le tard. Non, mais attendez, ça fait des dégâts quand même. Vous avez combien d'enfants qui ne veulent plus trois vous enfants, j'ai deux enfants qui ne veulent pas me voir. Deux garçons qui ne veulent pas vous voir? Voilà, tout à fait. Qui ont fait partie du monsieur, du papa? Ils sont, enfin, les trois enfants sont avec le papa, puisque le papa a eu la garde des enfants. Je précise que ce n'est pas à cause de mon homosexualité. Hein. Il n'y a rien à voir avec... C'est bien de préciser. Voilà. Mais effectivement, mes enfants m'ont rejetée parce que j'étais une sale gouine. Donc, je tiens à préciser que je suis effectivement gouine, mais pas sale, parce que je me lave. Donc, c'est le... enfin, c'est de l'humour, parce qu'il faut... Est-ce que vous êtes encore... Je n'ai jamais pu en parler avec mes fils. Je n'ai jamais pu... Ma fille vient avec moi. Ma fille vient avec moi dans les associations homosexuelles. Et justement, je voudrais m'adresser à Angélique. Les enfants comprennent beaucoup de choses si on sait leur parler intelligemment et si on leur bourre pas le crâne avec des bêtises. Attention aussi aux découvertes dans leur coin, comme celle de Julie. Voilà. Hein. Parce que moi, ma fille, la première fois, elle avait un couple de femmes s'embrasser, puisque j'étais dans une association et que moi, je n'avais pas de compagne à l'époque. Quand je lui ai posé la question, est-ce que tu es choquée? Et elle m'a répondu, non, maman, quel elle s'aime. Elle avait 8 ans. Wow. Voilà. Et elle m'a répondu, non, maman, elle s'aime. Elle a vu l'amour. Okay. Donc voilà, elle a vu, elle n'a pas vu la sexualité. Et ce que je voudrais dire à Angélique, c'est, est-ce que ta sexualité est plus propre que la nôtre? Oula, voilà. Dis donc. Vu ce que vous avez dit tout à l'heure, d'accord, oui, très bien. C'est ça, c'est qu'elle dit que la sexualité de sa sœur la dérange. Donc, est-ce que par rapport à ta sœur, la tienne de sexualité est plus propre? Mais c'est ça. D'accord, quand on pose une question, il faut s'arrêter. Ce n'est pas une critique. Non. Je l'accepte, ne vous inquiétez pas. Voilà.
Est-ce que je la trouve plus propre? Je ne pense pas que déjà l'amour soit propre. Ah. Ça, voilà. Non, mais bon. Déjà, il y a l'amour propre, pourtant ça s'appelle comme ça. Oui, mais... non, mais je veux dire, l'amour, on ne peut pas dire que ça soit toujours propre. Non, je parlais de sexualité. Ce qui me dérange, c'est le fait que ma sœur aime une fille. Non, pour répondre à la question, est-ce que votre sexualité, vous la trouvez plus propre que celle de votre sœur? Plus propre? Non, c'est pas plus propre. Aussi sale? Non. Non, c'était pas un sujet. Non, la réponse est non. C'est qu'elle a juste dit qu'elle a imaginé sa sœur. Mais c'est le fait d'une fille à une fille. Oui. C'est pas du tout de propreté ou quoi. Non, mais. Mais c'est le fait d'une fille à une fille. C'est ça vous que je trouve. Vous voulez pas que ce n'est pas une pratique. Ce n'est pas la pratique que je trouve ça. Voilà. C'est pas la normalité, voilà. Je crois qu'entre les lignes, elle a répondu à votre question. Oui, tout à fait. Elle voit à peu près de quoi elle parle quand elle imagine une chose comme celle-ci. Je crois que tout le monde aura compris. Quelle heure est-il, madame? Votre montre n'est pas réparée? Non, toujours pas. Vous avez l'heure? Minuit 20. N'allez pas vous coucher tout de suite. L'émission n'est pas terminée. On n'est pas au bout de nos surprises. Une émission de tolérance aujourd'hui. Hein. J'espère que tout le monde le prend bien comme ça. Ah non, mais moi, je c'était pas méchant ce que je disais. Je crois pas que vous l'avez pris comme ça. Je l'ai pas pris. Moi non plus. Non, mais je disais pour tous ceux qui nous regardent, pour toutes les femmes qui regardent leur mari en se disant ouh là, Dan. Tous les hommes qui regardent leur femme en se disant ouh là. Ou qui regardent leurs enfants. Et je pense à Alice qui est avec nous ce soir et qui entend toutes ces histoires. Ben c'est compliqué parce que je me rends compte qu'il y en a beaucoup qui arrivent à accepter. Alors finalement, je me pose la question, pourquoi elle ne l'accepte pas? Vos fils, qu'est-ce qui... Mes fils ne l'acceptent pas du tout. Enfin, je veux dire que... Vous avez essayé de maintenir le contact avec eux? J'ai essayé, oui. Vous avez envoyé des cartes aux anniversaires? Oui, au Noël. Et alors, vous avez des réponses? Ben non, tout m'est renvoyé par ma fille. Tout vous est renvoyé? Par ma fille. Parce que ma fille vient chez moi. Mais elle vous renvoie les cartes que vous envoyez à ses frères? Mais pourquoi? Parce que ses frères lui ont dit on ne veut rien de la part de... D'accord. De ta mère. Je trouve que vous payez cher quand même le prix d'honnêteté. Je veux dire, c'est à se demander s'il faut le dire, quoi, vous écouter. Oui, moi je... Mal. Ça serait à refaire, honnêtement, je le referais, mais beaucoup plus tôt. C'est-à-dire que je pense que j'aurais eu qu'un enfant et que... Mais vous auriez, si c'était à refaire, vous auriez... Non, je ne me remarierais pas si c'était à refaire, mais j'aurais assumé beaucoup plus tôt mon homosexualité. Simplement, bon... Vous l'annoncerez plutôt à vos fils. Oui, et puis je pense que c'est aussi... Ben, moi, quand j'étais petite, ma maman m'a dit un jour... il y avait un couple d'homosexuelles femmes qui passaient devant chez nous. Je devais avoir 5 ans, 5-6 ans à l'époque. Et elle a dit à ma voisine, regardez, c'est Gwyn. Et ça choque, et c'est ancré dans la tête d'un enfant, et on grandit avec ça. Pourtant, vous avez dit, je suis une Gwyn, il y a quelques instants. Oui, non, mais aujourd'hui, oui, j'accepte le terme de ça. Oui, c'est vrai que... Bon, c'est pas le mot le plus élégant à l'oreille. C'est pas le mot le plus élégant, mais... Qu'à l'oreille. Il y a des mots comme ça, hors jeu. Voilà, non, mais je suis lesbienne. Je suis un Gwyn. Non, mais quand je dis je suis lesbienne, mais c'est vrai que quand on me dit... Mais alors dans ce cas-là, monsieur Nadine qui va commencer à culpabiliser en se disant « Ouh là là, tapette, fofolle ». Non, mais quand on... Les mots peuvent faire aussi mal que ça? Tout à fait. Quand on vous dit que vous êtes une sale Gwyn, moi mes enfants me l'ont dit, t'es une sale Gwyn. Alors aujourd'hui, je tourne à l'humour en disant... Okay. Pour pas que ce soit simplement un débat d'idées, comme on en a déjà entendu tant, je voudrais qu'on revienne à votre histoire. Est-ce que vous espérez un jour pouvoir renouer avec vos fils? Qu'est-ce que vous leur dites ce soir? Moi, aujourd'hui, je dis à mes enfants que je leur ai pardonné. Je leur ai pardonné ce qu'ils m'ont fait, ce qu'ils ont dit, parce que... Ce sont des enfants, hein. Voilà, tout à fait. À quel âge ils l'ont su? Mon fils aîné devait avoir 14 ans. Et ça s'est fait dans la violence, donc voilà. Non, mais je pardonne à mes enfants. Que vous leur pardonnez, je veux dire que je ne pardonnerai pas à leur papa beaucoup de choses, mais à mes enfants, je pardonne. Vous leur dites quoi d'autre? Et je leur dis que je les aime énormément. Et que j'accepte leur choix. Aimer ses enfants, c'est aussi accepter le choix qui vous refuse. Enfin, non pas le choix d'être hétéro, mais le choix de ne pas vous voir. Non, mais le choix qu'ils ne veulent pas me voir, je l'accepte. C'est pas ce qu'il y a de plus facile pourtant. Et c'est ça, aimer ses enfants, c'est aussi accepter. Et puis je voudrais qu'ils acceptent que je sois comme ça. Votre sexualité, votre identité sexuelle, pour vous voir. Bon. Janine, je voudrais... Bravo. Que tout le monde fasse du chemin, merci. Janine... Qui c'est ça, cette... Janine, mais elle est... La montre, il faut la faire réparer. Voilà. Non, il faut être à l'heure de son temps, Janine. Ces 15 jours-là où vous avez pleuré sur votre fils, c'était que tourné contre vous? Oui. Qu'est-ce que j'ai fait? Parce que je n'ai jamais... Tellement de mamans se posent ces questions-là. Je n'ai jamais eu de sentiment de honte ni rien, mais c'était sur moi, oui. Et puis j'avais peur pour lui, je ne sais pas pourquoi. Vous demandez si vous aviez été une bonne maman? Voilà, tout à fait. Ouais. Vous avez d'autres enfants? Oui, j'ai une fille et puis un autre fils. Ouais. Un autre fils.
qui sont hétérosexuels. Ah oui, tout, ouais. Oui, oui. Est-ce que vous, alors, vous êtes posé la question de savoir s'il avait été élevé différemment? Ben, oui, oui. Oui, ben, je sais pas trop, en fin de compte, oui. Non, parce que vous avez été... Est-ce qu'elle a été la même maman pour... Elle a changé, quand même, après. On s'est... Non, non, mais je veux dire, au moment de vous éduquer, quand vous étiez tous les trois petits et tout ça... Ah, exactement la même éducation. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait? Ben, vous avez élevé vos trois enfants le mieux possible. Tout à fait. Bien, même? Même très bien. Même oui. Très bien. Et au bout de 15 jours, qu'est-ce que vous vous êtes dit? Eh bien, je me suis dit que c'était ridicule, que mon fils, bah, il était ce qu'il était, et puis que je l'acceptais comme il était. Il était ce qu'il était, ça veut dire quoi? Bah, qu'il était homo, mais j'ai eu du mal à mettre un nom sur ce qu'il était. Homosexuel? Oui. Homosexuel? Homosexuel, voilà. Et alors, maintenant? Oh bah maintenant, je le changerai pas. Ah, vous ne voudrez pas qu'il redevienne... Vous gardez... Non. Où j'allais faire... Bah, bref, allez. Non, je voudrais que ce soit très sérieux comme sujet. Les mamans qui culpabilisent, les mamans ou les papas d'ailleurs, mais les mamans, beaucoup. Mamans qui se posent tellement de questions. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Est-ce que j'ai donné la bonne éducation, hétéro ou homo d'ailleurs? Mais alors quand c'est un homo, beaucoup de questions sur la culpabilité. Beaucoup de culpabilité. Ouais. Qu'est-ce que j'ai fait de mal? Elles n'ont rien fait de mal, hein, je crois qu'il faut leur dire. Voilà. Ça n'a rien à voir ni avec les mamans ni avec les papas, c'est tout un tas d'autres choses, c'est des cheminements comme ça, très personnels, très particuliers. Le plus concret possible, Serge, quel est le... Est-ce qu'on est NAIT, homosexuel? Je crois que ça se joue dans l'environnement très précoce. Je ne pense pas qu'on naisse à proprement parler homosexuel, parce que je ne pense pas, sûr, pas que ce hein, soit mais génétique. Mais il se joue des choses dans l'environnement très précoce qui échappe à tout le monde, on ne sait pas très bien quoi, et qui fait que très les préférences... Précoce. Oui, depuis la naissance. Depuis autour de la naissance, on prend des signes autour de soi qui dirigent vers un chemin qui est plutôt celui de l'homosexualité. Ah, vous ne pensez pas qu'on est homosexuel, qu'à NAIT? Je ne pense pas que ce soit... Non. Non, non. Ce n'est pas génétique. C'est, vous êtes d'accord? C'est dans l'environnement. Qu'on ne NAIT, pas homosexuel, je pense. Pour moi, si, je suis né homosexuel. Vous êtes né homosexuel, ouais. Selon vous? Dans 3000 ans, nous referons ce débat et peut-être que les scientifiques ont retrouvé une raison. De toute façon, vous savez, le génétique, ça ne veut rien dire, puisque le génétique, il ne s'exprime qu'en fonction de l'environnement qu'il y a autour. Donc voilà, c'est... Nous avons un message téléphonique un peu particulier à faire écouter à Jérôme. Jérôme, notre équipe a été très touchée par votre histoire et avec la complicité de Janine... il est malheureusement hospitalisé en ce moment et ne peut pas être avec vous sur ce plateau, mais il a tenu à vous adresser ce message. Écoutez. Bonsoir Jérôme. Sache que j'ai bien reçu ta lettre. Je voulais te dire que ton homosexualité, pour moi, ce n'est pas un souci. En ce qui me concerne, il n'y a rien de changé. Tu as toujours été mon petit gars et tu le seras toujours. Maintenant, il faut que tu fasses ta vie, que tu sois bien. Il faut reprendre le dessus. Jérôme, tu seras toujours le bienvenu. Ma porte reste grande ouverte. Je t'attends pour qu'on en parle tous les deux. Je t'embrasse très fort. Je t'aime comme tu es. Papa. Faut nous expliquer, là. Hein. Non, là, faut nous expliquer. Vous ne vivez plus avec le papa, d'accord. Ça fait combien de temps que vous avez dit à votre maman que vous êtes homosexuel? 2 ans et demi. 2 ans et demi. Elle a bien réagi après les 15 jours d'IA. Votre père, il le sait depuis combien de temps? Un an. Ça fait un an que j'attends ça. Vous lui avez dit il y a un an, vous-même? Vous lui avez dit? Je lui ai écrit une lettre puisque j'avais toujours peur de son regard. J'ai toujours eu peur, en fait, de ce qu'il pouvait penser de moi. De son jugement. De son jugement, voilà, tout à fait. Et après vous lui avoir envoyé cette lettre, comment a-t-il réagi? Qu'est-ce qui s'est passé depuis un an? Plus de dialogue, plus rien. Mais plus de dialogue, plus rien, c'est-à-dire? C'est-à-dire que je... pendant 6 mois, on s'est changé un SMS de temps en temps. Pas d'appel, pas de coup de téléphone. Pas de visite? Pas de visite. Vous habitez loin l'un de l'autre? Oui, à peu près. Ouais. Enfin, lui, il est dans l'Allier, puis moi, j'étais à la frontière suisse. Et téléphone, moi, c'est possible. Le téléphone est possible. Donc vous ne saviez, dans ces SMS, c'était quoi? C'était anodin et... C'était coucou, ça va, simplement. D'accord, pas de réaction particulière. Vous êtes sûr qu'il avait reçu cette lettre? Oui, parce que j'ai mon oncle déjà qui m'a dit qu'effectivement, il avait reçu la lettre et qu'il lui avait demandé comment il devait réagir vis-à-vis de ça, s'il devait changer, s'il devait, ce qu'il devait faire tout simplement avec moi.
Moi, je pensais que vous seriez content d'entendre votre père et vous mettez à pleurer dans un état. Parce que ça fait un an que j'attends ça. Ça fait un an que j'attends qu'il me dise ça. Mais c'est une bonne nouvelle ou une mauvaise nouvelle? Ça arrive trop tard? Ah non, non, au contraire, non. Il n'est jamais trop tard? Il n'est jamais trop tard. J'attends ça, j'ai... Mais c'est arrivé? Oui, mais j'ai raté beaucoup de choses, je pense. Et j'ai fait beaucoup de bêtises par rapport à ça aussi. Quelles bêtises? Il y a des choses que j'ai fait que je regrette et... Lesquelles? J'ai voulu mettre fin à mes jours. Non. Si. Il y a 2 mois de ça, oui. Non. Si. Pourquoi? Puisqu'il manquait tout simplement une ombre au tableau, une ombre à la vie. Il y avait une ombre au tableau? Voilà, tout simplement. C'est-à-dire que je m'assume, je m'accepte, il n'y a pas de souci. Mais c'est-à-dire qu'à un moment votre de ma vie... Votre maman vous accepte? Ah oui, tout à fait. Votre frère, vos deux autres enfants? Ah oui. Entièrement. Oui. Et dans tout ça, il manquait quelque chose, quoi. Lui? Mon papa. Ouais. Il s'appelle comment? André. André, vous avez fait beaucoup de bien ce soir à quelqu'un. Bravo, André. Super. Ça va? Je suis content pour vous. Nombreux jeunes homosexuels sont encore trop souvent rejetés par leur famille. Voilà, on est sur le service public et c'est pas pour rien. Certains d'entre eux se retrouvent même à la rue. Placés, parfois très tôt, à l'âge de 7 ans, en ce qui concerne Cédric, qui est notre invité. Frédéric Audran et Bernard Montpère de notre équipe sont rendus à l'association Le Refuge, qui se trouve à Montpellier, dans cette belle ville. Une ville pleine d'étudiants, pleine de jeunes gens, une ville plutôt ouverte d'esprit. Et ils ont recueilli le témoignage de ces jeunes en perte de repères. Cédric est dans ce reportage. Regardez. Tony vit à Montpellier depuis 2 mois. Originaire de Normandie, il a traversé la France pour fuir, ou plutôt oublier, sa famille. Elle n'a jamais accepté son homosexualité. Depuis peu, il a trouvé un toit et vit seul dans ce studio, mais il revient de loin. Pendant longtemps, il a porté sa sexualité comme un fardeau. Son coming out a été catastrophique. J'avais déjà du mal à le supporter moi-même. Je voulais un soutien de ma famille, surtout de ma mère quoi, en particulier. Et moi, je lui ai dit « Écoute, maman, je suis pédé ». Donc, pour elle, le ciel lui a tombé sur la tête, quoi. Et ça a complètement cassé les liens avec elle, quoi, avec ma mère. Pourquoi, à votre avis? Pourquoi? Parce qu'elle allait à fond dans la religion chrétienne et... Et voilà, quoi, elle aurait aimé que je devienne... Enfin, hétéro, quoi, comme tout le monde. Elle aurait aimé que je sois avec une femme, des enfants, enfin, normal, quoi. Avec toute ma famille, c'était un tabou, hein. Avec tout le monde. Malheureusement, on peut pas faire grand-chose à ça, quoi. On peut pas les forcer à nous accepter. À 17 ans, Tony se retrouve à la rue, sans ressources. Il passe plusieurs années à errer dans une extrême précarité. J'ai fini sur le trottoir, je veux dire, j'ai squatté chez des amis qui ont voulu bien m'aider, mais bon, au bout d'un moment, il y a toujours une histoire de contrepartie, je veux dire, il y a toujours un échange à donner, quoi. L'hébergement contre moi, quoi. Enfin, contre mon corps. C'est la prostitution. Voilà. Et vous en rendiez compte au départ que c'était... Mais non, moi, c'est vrai que j'étais assez naïf et inconscient. Donc... Par moment, j'ai accepté de le faire, mais à contre-cœur, pour pas être dans la rue, quoi. Ça dure longtemps, ça? Ah oui, ça a duré au moins 2 ans, hein, un truc comme ça, ouais, 1 an et demi, 2 ans. Ouais. Déprimé, au bout du rouleau, Tony a plusieurs fois essayé de mettre fin à ses jours. Mais votre mère, par rapport aux tentatives de suicide, quelle était sa réaction? Elle s'en foutait totalement. Je crois qu'elle est venue me voir une fois. Une seule fois où j'avais fait une tentative de suicide, pourtant j'en ai fait plein. Et elle est venue me voir une fois et c'est tout, quoi. Ça m'a fait super plaisir de la voir. Mais après, ça a commencé. C'était une horreur, quoi. Je la voyais plus. Dès qu'on se voyait, c'était tendu, quoi. À l'hôpital, elle est venue vous voir que... Ouais. Sur tout ce que j'ai pu faire. Des appels au secours restaient longtemps sans réponse. Jusqu'à ce que Tony découvre Le Refuge, une association qui soutient les homosexuels victimes d'exclusion. Une personne sur place. 15 bénévoles se relaient pour apporter une aide précieuse à ces ados fragiles et sans repère. Une fois par semaine, Tony a rendez-vous avec Véronique, sa psychologue. Sa dernière tentative de suicide date de 6 mois. Il reste toujours très fragile, mais il commence à remonter la pente. Bon. Comment ça s'est passé cette journée, justement
à la formation, vous m'aviez dit. Bah, de vous appréhendiez un petit peu. Ouais, ouais, j'ai eu des examens. J'ai 4 heures de cours à faire, en fait. Mm-hmm. Et du coup, bah, ça a payé parce que demain, j'ai rendez-vous. Puis voilà. Je vais peut-être avoir enfin une formation. Ça va peut-être se débloquer un peu pour moi, donc ça va aller, quoi. Ça ouvre des choses. Hein. Voilà, ouais. Et puis à côté, bah, le reste, comment ça se passe? Ça va bien. Les interactions avec les autres C'est toujours pareil, je veux dire, on rencontre des bonnes personnes, d'autres mauvaises, je veux dire, enfin des personnes qu'il ne faut pas trop fréquenter, c'est ce qui m'arrive en ce moment. Pourquoi finalement vous tombez si facilement dans les... J'ai tellement besoin d'avoir des potes, un copain, tout le bordel, donc je fais trop vite confiance et je suis amie, je reconnais. Le gamin il vient donc se confronte à sa famille, annonce son homosexualité qui est mal reçue et il est rejeté par sa famille. Donc le jeune se retrouve seul, donc il doit faire face à des difficultés donc déjà du rejet. Et puis dans un deuxième temps à la réalité, c'est-à-dire trouver à se débrouiller dans la vie. Et c'est là qu'on va avoir des conduites qui vont être dangereuses, des prises de drogue, des fois des tentatives de suicide, enfin tout ce... Et finalement toutes les conduites dangereuses qu'on peut retrouver chez les adolescents qui sont en souffrance. Parce que psychologiquement, ils sont brisés et donc c'est toute une identité qui est à reconstruire. Une reconstruction qui nécessite parfois le pardon auprès des parents qui ont rejeté l'enfant. Tony, lui, n'en est pas encore là. Je leur pardonnerai jamais le mal qu'ils m'ont fait, quoi. On n'a pas renié son gamin comme ça, je suis désolé. Là, je commence à m'en sortir grâce au refuge. Donc j'ai pas envie de replonger. Je sais très bien que si je vais revoir ma mère, je vais faire n'importe quoi. Et si un jour elle vous dit pardon ? Non. Non, je. Non, j'accepterai pas. C'est peut-être. C'est peut-être égoïste de penser qu'à moi au niveau de ça, mais. Je pense que j'ai assez souffert et je sais très bien qu'elle pourrait recommencer. Donc, moi, il est hors de question que je revive ça et je commence à m'en sortir. Donc, j'ai pas envie d'en vivre dans le noir ou d'être maltraité ou quoi que ce soit. J'ai pas envie de ça. C'est fini. Cédric, 24 ans, est un autre garçon aidé par le refuge. Renouer un dialogue avec sa mère est malheureusement pour lui impossible. Il y a 2 ans, elle meurt des suites d'un cancer. Cédric n'a jamais réellement compris le rejet qu'il a subi dès son enfance. Moi, ma mère m'a toujours dit, de toute manière, toi, je savais que t'étais PD à 5 ans. Parce que tu t'amusais avec les Barbies, parce que t'étais plus attiré par ces jeux de filles. Avec le recul aujourd'hui, je peux avoir une idée à me dire elle a mis cet éloignement entre elle et moi parce que avoir un gay dans la famille, c'est toujours conflit, quoi. Un éloignement radical. Cédric est le seul des 6 enfants de la famille à être placé en foyer dès l'âge de 7 ans. Raison invoquée, Cédric est un enfant turbulent, sa mère n'y arrive pas. Même si j'étais placé à la DAS, ma mère était le bon Dieu pour moi. À l'âge de 15 ans, Cédric change de famille d'accueil. Chez Didier, le jeune homme s'épanouit enfin. Ce père de substitution sert de trait d'union entre Cédric et sa mère, séparés de 700 km. À l'époque, la communication entre eux est totalement rompue. Sauf un beau jour où Cédric décroche son téléphone. J'avais 15 ans et demi, je venais de rencontrer mon premier copain. Et j'appelle ma mère... pour lui dire que je suis gay. J'ai pris le téléphone, j'ai fait le numéro, j'ai dit « Allô maman, je suis PD », j'ai raccroché. Donc voilà, j'ai vite dit les choses et raccroché pour pas entendre après ce qu'elle avait à dire dessus, quoi. Donc sa réaction, c'est quand même qu'elle ait appelé et qu'elle ait dit « Il y a un truc qui va pas, il faut aller voir un psy, quoi. » Donc voilà, elle l'a pris un peu comme une maladie qu'il fallait soigner. Je lui ai dit, j'ai fait, mais attendez, c'est pas une tare, j'ai fait, c'est un choix. Même moi, ça me faisait mal, ça me choquait pas, mais ça me faisait mal. Mais voilà, je veux dire qu'on n'est pas à l'abri. N'importe qui peut avoir un enfant homosexuel ou quoi que ce soit. Aujourd'hui, hélas, entre Cédric et sa maman, le dialogue ou la réconciliation ne sont plus possibles. Le jeune homme va devoir se reconstruire tout seul, peu à peu, malgré cette absence et ce doute. En attendant ça, en attendant le temps perdu qu'on ne rattrape plus, parce que la conversation que vous ne pourrez pas avoir, je me disais quand même, Angélique, quel chemin parcouru pendant cette émission, avant sans doute,
mais exprimer ici. Plus avec l'émission. Merci l'émission. Non, pas merci l'émission. Les émissions sont des révélateurs de ce qu'on a au fond du cœur. En aucune façon, elles ne vous influencent. C'est vraiment vous. Oui, c'est moi. Ouais, je me mets à votre place. Il y a des choses que vous... Justement, des dialogues que vous ne pourrez pas avoir. Oui, il y a plein de dialogues que je ne pourrais plus avoir avec ma mère. Alors, c'est vrai que quand j'entends la sœur des... Angélique. Angélique. Et Laetitia. Et Laetitia. Et Ali. J'ai envie de dire à Angélique, fais attention, parce que avant qu'elle fasse le choix de s'en aller, parce qu'elle ne se sent pas aimée, parce que quand on n'aime pas quelqu'un... Cédric, vous avez vu le début... Parce que là, on est en direct, il n'y a pas eu de montage, donc vous avez vu le début de l'émission, vous avez vu le milieu Oui. Ben, je crois qu'il y a beaucoup, une grande partie oui, qui... Oui, bien sûr, bien sûr. Mais voilà, mais quand on voit à l'écran qu'elle dit « j'ai honte » Bien sûr, dans le reportage. Qu'elle soit comme ça, moi, je ne pardonnerais pas, parce que, wow. Parce que c'est vraiment douloureux de dire ça. J'ai honte qu'elle soit comme ça. C'est renier un peu... un peu sa famille, Écoutez, il y a des gens qui disent des trucs qui sont atteux, que moi, je pardonne à partir du moment où elle revient sur ce qu'elle a dit. Du moment que je le reconnais. Oui, mais je pense. Le fait qu'entre frère et sœur, si mon frère était venu me voir. Elle a été trop dure pour vous, Cédric ? Ah oui, énormément. Et maintenant, elle dit qu'elle regrette, tant pis pour elle ? Qu'elle aille brûler en enfer ? C'est trop tard, c'est l'image qu'on a dégagée aux yeux de la société. Laetitia, il n'y a que vous qui pouvez dire quelque chose. Non, je pense qu'elle s'est très bien exprimée. Elle m'a donné son opinion. Et je pense qu'elle a fait. Elle accepte beaucoup de choses. Et il ne faut pas dire de là qu'elle a été. Ce soir, il ne s'est pas rien passé, quoi. Voilà, ce soir, ça a quand même été joli. Mais oui, bien sûr qu'il y a toujours une évolution, même pour Non, mais j'ai l'impression que Cédric, vous êtes aussi à vif, parce que vous n'avez pas pu avoir d'explication. Mais voilà, voilà aussi. Et pour toutes les mamans qui nous regardent, qui ont du mal à avoir un dialogue avec leur fils ou leur fille, ou les papas aussi, je pense toujours aux mamans. Je pense aux papas aussi. Parlez avant qu'il soit trop tard. Julie, vous avez pu parler avec votre père ? Oui, à 25 ans. Vous avez eu une franche conversation ensemble ? Oui, après 2 ans de psychothérapie, oui, il m'a fallu à peu près ça. Pour lui, pour vous, la psychothérapie ? Moi, lui peut-être aussi, mais moi, oui. Lui aussi ? Oui, je pense, oui. Qu'il a, qui a eu l'initiative de cette conversation ? Moi. Ah, encore parce vous. Parce que le secret était beaucoup, beaucoup trop lourd à porter. Qu'est-ce que vous vous êtes dit ce jour-là ? Je lui ai vraiment ouvert mon cœur. Hein. Je lui ai tout dit, tout ce que j'avais, donc comment je l'avais découvert, ce qui s'était passé dans ma tête. Donc, je lui ai dit, on est passé sur certains détails, mais vous l'avez surpris aussi. Au téléphone rose, en train de... Tout à fait, ouais. J'ai trouvé des dialogues des extrêmement magazines, crus. J'ai trouvé des photos de lui, C'est pas interdit, ce que je veux dire par là, c'est que quelqu'un entend ça et que c'est un enfant. Très dur, vraiment le choc, quoi. On se dit, c'est pas possible, c'est pas lui, c'est pas mon père, qui est cet homme-là et c'est vrai que, bah, ensuite, pendant toutes ces années, quand j'ai allé chez lui, Vous lui avez tout dit ? Tout dit, j'ai rien omis. Et qu'est-ce qu'il a dit, lui ? Comment a-t-il réagi ? Il m'a écouté comme s'il m'avait écouté raconter mes vacances, je pense. Donc, autant vous dire qu'il était une oreille distraite. Donc, ça a été très dur pour moi, parce que pour moi, c'était une non-prise en compte de ma souffrance. Et il a conclu la conversation en me disant... Alors, il a reconnu qu'il avait été lâche et que s'il avait laissé traîner ses journaux, c'était pour que je comprenne seule, parce qu'il n'avait pas eu le courage de me le dire. Que c'était une forme aussi de perversité chez lui, il me l'a dit aussi. Il a conclu la conversation. Une forme de perversité ? Oui, enfin de... Ouais. De provocation perverse ? De provocation, oui, de lâcheté, de... C'est pas pareil, lâcheté, perversité, hein. Bref. Bref. C'est sa conscience à lui, là. Voilà, c'est, tout à fait. C'est votre ni la mienne. Et il a conclu la conversation en me disant, bon, oui, je reconnais que je t'ai fait souffrir, on n'a peut-être pas été très très habile, on aura dû te le dire, mais bon, ça aurait pu être pire, t'aurais pu avoir un père pédophile, ou... un père alcoolique qui te batte, bah oui, j'ai dit effectivement, papa, oui, c'est sûr. Ou mais... un nazi. Voilà, aussi, oui, un nazi. C'est donc, pas la question d'avoir un père homosexuel qui vous a dérangé. C'est la façon dont ça n'a pas été dit. Exactement. C'est la façon c'est dont vous avez été choqué. C'est le non-dit, c'est tous les scénarios que j'ai élaborés pendant 8 ans.
je me suis dit, première chose, je me suis dit, peut-être que... Bon, donc, comme je vous l'ai dit tout à l'heure, j'ai tout de suite compris que c'était... Je vous entends d'ici, Alice. Je vous donne la parole dans un instant. Que c'était la raison du divorce. J'ai des yeux derrière. Mais je me suis dit beaucoup de choses. Je me suis dit, peut-être que c'est maman qui a dégoûté papa des femmes. Voilà, quand on n'a pas d'explication, voilà l'imaginaire. Quelle image vous avez des homosexuels aujourd'hui? Les homosexuels, je les accepte. J'avoue que j'ai toujours un petit sentiment de gêne en leur présence. Moi, j'ai le chef de chaîne de France 2 que j'aime beaucoup. On doit rendre l'antenne, on a deux minutes. Ouais. Dites un mot. Je voudrais juste m'adresser à Dan. Moi, il y a une question que je me pose et je pense que je vais me poser longtemps. Et à tous les papas qui sont dans cette situation. Ouais, je me demande, quand je pense à mon père, je me dis, est-ce que quand il s'est marié avec maman, donc il était déjà homo, est-ce qu'il a vraiment voulu se ranger, avoir une vie normale? Pourquoi a-t-il choisi d'avoir une vie hétérosexuelle, de donner le change, de se marier, de se remarier, d'avoir trois enfants? Est-ce que c'était vraiment une volonté de changer, de fonder une famille? Ou est-ce que c'était pour sauver les apparences? Alors, une question, je vous explique. À un moment, il faut s'arrêter au point d'interrogation. Alors, vous me prenez pas mal, je dis. Non, pas du tout. Je ne peux pas répondre pour son papa. Alors, répondez pour vous. Moi, je l'ai dit tout à l'heure, moi, je n'avais pas le choix. C'était la société qui voulait. Tu ne pouvais pas mener une vie homosexuelle. Il y a des homosexuels qui vivaient leur vie quand même au grand jour, oui, à cette époque-là. Oui. Mais ce n'était pas l'Inquisition quand même, en 1970. Tout dépend des milieux, d'accord. Oui. D'accord. Sans doute que c'est plus facile dans les grandes villes que dans... Et on en souffre un mal-être. Vous habitez quelle ville en Belgique? La région liégeoise. Liège, ça reste une grande ville, quoi. Liège, c'est même des plus grandes. Hein. Dans la banlieue, oui. Dans la D'accord. Mais en tout cas, je peux te dire que c'est un mal-être. On le vit très mal. Alice, un petit mot. La question, vous avez vu Romain, vous avez vu ce reportage, comment ça s'est passé, ce coming out. Pour conclure cette émission, vous êtes la plus jeune ici. Vous êtes celle qui a connu une expérience extrêmement difficile à l'âge de 16 ans, en disant à votre maman, maman. Non, d'ailleurs, c'est pas vous qui l'avez dit, elle a trouvé une lettre de votre petite amie, une lettre d'amour. Elle vous a posé des questions, elle vous a mis en difficulté, à tel point que vous avez culpabilisé pour que les choses s'arrangent, entre guillemets. Hein. Vous avez dit 3 semaines plus tard, non, maman, je suis hétéro, je me suis trompé. Voilà. Et depuis, elle vous dit, tiens, tu devrais aller voir le petit Sylvain, côté qui est vraiment mignon, qui est un bon petit gars, je connais ses parents, etc., etc. Qu'est-ce que vous avez envie de lui dire ce soir? Peut-être qu'elle verra l'émission de manière enregistrée. Peut-être que quelqu'un l'a appelé et qu'elle la regarde ce soir, je ne sais pas. J'ai envie de lui dire que moi, personnellement, je l'ai toujours aimé, que je l'aimerai toujours. Mais que si elle me suit pas dans mon chemin, je veux dire, c'est pas avec elle que je vais faire ma vie. Hein. D'accord. Donc à ce moment-là, il faudra qu'elle choisisse, qu'elle mette sa honte de côté et qu'elle m'accepte telle que je suis, ou à ce moment-là, elle me perdra. Quoi. C'est ce que je veux dire. Vous vous appelez Alice? Non, je m'appelle Fanny. Arrêtez, je vais pleurer. Pleurer de quoi? Pleurer de quoi? Pleurer de quoi? De colère. De colère? De tout ce que vous avez subi pendant 2 ans? C'est vachement courageux ce que vous faites. Hein. Vous êtes majeur, vous avez 18 ans. Vous êtes très respectueuse vis-à-vis de vos parents. Vous avez voulu dire à votre maman ce qu'elle a voulu entendre pour qu'elle soit heureuse. Vous avez joué la comédie pendant 2 ans, c'est très compliqué. Et je dis pendant 2 ans, pendant bien plus longtemps que ça, sans doute. Maintenant, c'est terminé. J'espère que ça va bien se passer avec eux. J'espère que ça va bien se passer. Quelqu'un veut dire quelque chose à Fanny? Du courage. Peut-être. Du courage. Bravo. Laetitia. Bravo et j'espère vraiment que sa maman va rester auprès d'elle. Parce qu'une maman, c'est sacré, on n'en a qu'une. Et c'est très beau ce qu'elle vient de faire. À propos de l'image qu'on a des homosexuels... comment s'appelle votre livre, Alex? Mon livre s'appelle « Journal d'un apprenti pervers ». Journal d'un apprenti pervers, pourquoi? Absolument. Oui.
C'est de la provoque. C'est de la provoque, mais ça retrouve exactement ce qu'on vient de dire, parce qu'en fait, je me suis posé la question tout simplement dans ce livre, de savoir l'effet que ça fait pendant les 18 premières années de la vie de quelqu'un. C'est mon cas, c'est peut-être pour ça que je l'assume beaucoup depuis. Je n'ai pas pu le dire à un seul être humain, ni à mes parents, ni à mes amis, que j'étais gay. Pourtant, je le savais depuis 7 ans. Et vous viviez votre homosexualité quand même ? Je ne le vivais pas, non. Ce qu'on n'a pas dit dans cette émission, c'est que les homosexuels apprennent très vite. Moi, à l'âge de 7 ans, un petit garçon de 7 ans, dès lors que j'ai compris que je ne pouvais pas le dire à qui que ce soit, j'ai appris qu'il fallait que je le cache et que je donne le leur. Il y a énormément d'homosexuels dans ce cas-là. C'est-à-dire que Mais je crois qu'on l'a compris. Personne n'a dit « je me suis découvert homosexuel à un moment de ma vie ». Tout le monde a dit ici « j'ai toujours su que je l'étais ». Oui, mais on ne peut pas toujours le dire. On a Angélique qui est un... Moi, je trouve que c'est très courageux. Vous avez fait un coming out plus ou moins dans l'émission. Mais la plupart des homosexuels... Coming out d'amour, de tolérance. Non. Mais Jean-Luc, depuis que j'ai écrit ce livre, j'ai reçu 1000 emails de jeunes qui me disent « Moi, j'ai grandi dans des circonstances complètement différentes des vôtres. » Alex, pourquoi pervers ? Pourquoi ce titre provocateur ? Parce que c'est la société qui est perverse. Moi, jusqu'à 18 ans, je savais que j'étais gay. Mais j'ai compris dans l'instant même, à 7 ans, un petit garçon de 7 ans, qui ne pouvait pas le dire aux autres. Et moi, j'ai compris, je retrouve tout à fait ce que dit Fanny ou Alice, c'est-à-dire la colère. Moi, en Fanny. La colère, c'est... Fini, Alice. Voilà, Fanny ou Alice. Fanny. J'ai compris, moi aussi, en écrivant ce bouquin, il y a un truc qui s'est passé à la fin où j'ai compris que ce petit garçon, parce que je n'avais même jamais compris à 50 ans non plus, que ce petit garçon était en colère du fait qu'il a dû attendre 18 ans afin de toucher un autre homme, afin d'être tout simplement la personne qu'il est. Et donc, si j'ai appelé le livre « Journal d'un apprenti pervers », c'est à cause de cette société qui était perverse, qui m'a même forcé à la quitter, à venir dans un autre pays pour vivre. Ici, en plus, le bon pauvre. Bon, voilà, vous ne pouviez pas trouver pire. Mais j'ai compris, en écrivant ce bouquin, à quel point, si vous êtes parent, Angélique, c'est très important, si vos enfants sentent la moindre chose... où ils ne peuvent pas être comme ils sont avec vous, eh bien, ils vont le cacher tout de suite. Ils vont donner le leur, ils vont jouer la comédie. Et quand on fait ça pendant 18 ans, moi, dans mon livre, j'explique plein de fantasmes un peu bizarres, mais c'est le résultat de tout ça. C'est bien que vous le disiez avant que tout le monde le lise, sachez-le. Mais c'est un livre qui vous aidera à mieux comprendre votre enfant, peut-être si vous êtes quelqu'un, un jeune homme ou une jeune femme aussi, à mieux comprendre aussi... Et tant mieux que ce soit de la colère, je veux dire que vous ayez ressenti plutôt que de la honte, c'est l'un ou l'autre, la colère est un sentiment qui est plus actif. Je remercie tous nos invités, c'est le mot de la fin. Merci chef de chaîne, merci pour votre talent. Et merci à tous nos invités surtout d'avoir été avec nous. Bravo, Roger. Bravo, demain est un autre jour. Dans une prochaine émission, nous recherchons des témoignages. Des années après, vous êtes ressorti avec votre ex, votre petite amie vit mal votre amitié avec votre ex-conjoint vous harcèle. Vous n'arrivez plus à concilier votre carrière et votre vie de famille, vous craquez. Vous faites passer votre carrière avant tout, votre famille souffre de vos absences professionnelles, votre mère vous a délaissé au profit de son travail. Contactez-nous au 01 53 84 30 55 ou par email.